Bon, merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints pour cette journée un petit peu spéciale. Pour vous en donner l'historique, c'est Mathilde qui nous a rejoint la Fondation en septembre en tant que chargée de communication et qui tient beaucoup au sujet des femmes dans la science et des femmes en général et aussi des femmes dans la science. Voilà, qui a décidé qu'elle souhaitait faire quelque chose et c'est tant mieux à l'occasion de la 6e journée internationale des femmes et des filles de science. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes déjà beaucoup de femmes et beaucoup de scientifiques, donc c'est votre anniversaire, c'est le nôtre, donc voilà, c'est votre journée aussi à vous. Je pense que c'est également l'occasion pour nous de fêter les femmes de science qu'on aime, voilà, celles qu'on respecte, celles qu'on aime, de les mettre à l'honneur, celles qui sont encore là ou celles qui nous ont également inspirées. Donc, pour nous, c'était l'occasion de célébrer les femmes dans la science, évidemment, et puis également de faire un petit retour sur où on en est un petit peu des femmes dans la science à présent, présentement. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans la science? Est-ce qu'elles ont accès aux mêmes choses que les hommes? Est-ce que la parité existe vraiment? Voilà, sans pointer du doigt, mais histoire de se faire un petit retour. Donc, évidemment, moi, je suis un petit peu retournée sur mon background qui est plus les neurosciences, puis la biologie en général. Et donc, je me suis dit, finalement, quand on parle de femmes en sciences, j'imagine pour beaucoup, la première qui vient, peut-être, c'est Marie Curie, qui a un peu cet emblème, cette icône, ce premier prix Nobel de chimie. Et puis ensuite, j'ai pensé à toutes ces femmes oubliées parce que c'est leur journée aujourd'hui, notamment Rosalind Franklin, qui a été à l'origine de la découverte de la structure de l'ADN et qui, pour ça, n'a malheureusement pas été récompensée aussi bien que ses collègues masculins. Donc, j'ai une pensée pour toutes les femmes qui, depuis plusieurs siècles, travaillent aux côtés des hommes en science et n'ont pas été reconnues peut-être à leur juste valeur ou pour leur découverte. Mais bon, alors ici, c'est pas non plus déprimant puisque les choses ont bien changé et évidemment, il y a beaucoup de femmes qui ont été récompensées depuis. Et notamment Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna cette année, en 2020, leur magnifique prix Nobel de chimie pour la technique CRISPR-Cas9. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de progrès. Vous le voyez, il y a quand même maintenant beaucoup de femmes en sciences, beaucoup de femmes avec des positions de chef d'équipe, de directrice, et beaucoup de femmes également récompensées. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais l'idée aujourd'hui, peut-être, c'est grâce à nos deux invités de faire un peu le tour de où en est-on? Est-ce qu'il y a encore des blocages pour les femmes en sciences, peut-être dans certaines matières. Et puis, peut-être qu'on verra avec Madame Jouan quelle est la place du genre. Est-ce que le genre joue un rôle effectivement dans cette répartition et a une influence? Donc, c'est mon grand plaisir et pour nous à la Fondation, hein, parce que je représente aujourd'hui la Fondation, de recevoir Madame Etet, ex-directrice de recherche au CNRS, spécialiste des champs magnétiques, et qui est également présidente de l'association Parité Sciences, donc une spécialiste des femmes en sciences. Donc, merci beaucoup, Madame Etet, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et Madame le docteur Marlène Jouan, qui est maître de conférence en philosophie à l'Université de Grenoble-Alpes et qui nous fera le grand plaisir, après la présentation de Madame Etet, de nous parler un petit peu du genre, déjà qu'est-ce que le genre finalement, de nous le définir et puis ensuite de nous en parler un petit peu plus autour de cette science au féminin. Existe-t-il une science au féminin? Voilà, un petit côté logistique pour vous. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. L'idée, c'est aussi que ça puisse se faire sous forme de débat. Donc, Madame Etet présentera pour une vingtaine de minutes et puis ensuite, on laissera du temps pour vous pour les questions. Pour poser des questions, vous pouvez les poser en direct. Alors, vous voyez, vous pouvez lever la main. Vous avez la petite main un peu comme sur Zoom. La petite main rouge, n'hésitez pas à lever la main et puis nous, on ouvrira vos micros petit à petit pour vous permettre de poser vos questions en direct à nos deux
à nos deux interlocutrices, voilà, Madame Huetta et Madame Join. Je pense que c'est presque tout. Et ensuite, Madame Join nous fera une petite présentation sur le genre et puis nous pourrons passer au débat. Voilà, parce que c'est intéressant pour nous d'échanger avec vous et d'avoir aussi vos retours sur, et vos opinions sur les femmes dans la science. Voilà, n'hésitez pas également à nous poser des questions par chat si vous avez des questions supplémentaires au cours de la présentation. Et c'est avec un grand, grand plaisir que je disparais et que je laisse la place à Madame Etec qui va nous parler de sciences au féminin. Oui, donc je remercie la Fondation Rovalta d'avoir organisé quelque chose à l'occasion de cette journée des filles internationales des filles et des femmes en sciences, parce que c'est pas ça n'a pas été énormément relayé dans les médias. En fait, c'est jamais que la 6e édition, donc c'est pas encore vraiment rentré dans les mœurs. Et cette année, cette journée internationale a pour thème Au-delà des frontières, l'égalité dans la science pour la société. En effet, les Nations Unies pensent que la science et l'égalité entre les sexes sont essentielles pour réaliser les objectifs du développement durable. Et c'est le thème de la Fondation Rovalta. Donc, ça, c'est une bonne coordination. Je suis donc la présidente d'une association grenobloise qui œuvre pour la parité entre les femmes et les hommes dans les métiers scientifiques et techniques. On encourage les jeunes filles à ne pas hésiter à s'engager dans ces métiers. On promeut l'image des sciences auprès de tous les jeunes gens, les garçons et les filles. Et une fois que les filles sont devenues des femmes, et sont dans les métiers scientifiques et techniques, on travaille pour qu'il y ait une égalité réelle, ce qui n'est pas encore le cas, même au niveau des salaires. Et puis on agit comme l'antenne grenobloise de l'association nationale Femmes et Sciences, l'antenne Alpes. Et l'association Femmes et Sciences, c'est quand même 400 personnes. C'est une association qui a quand même du poids et qui fait des belles choses au niveau national. Donc en fait, j'ai choisi d'introduire cet exposé en parlant de notre environnement. Notre environnement, c'est pour nous une source d'émerveillement et de questionnement. Et actuellement, dans les médias, est énormément relayé des questions comme il y a des catastrophes, il y a des pollutions, c'est le changement climatique. Comment fait-on pour les comprendre, ces thèmes de catastrophes? Et comment on fait pour agir, pour protéger l'environnement et promouvoir un développement durable? Et je pense que ce sont les sciences de l'environnement qui sont capables de répondre à ces questions-là d'une façon dépassionnée et qui peuvent permettre de proposer des solutions justement pour protéger l'environnement et promouvoir un développement durable. Alors, ce que je voulais partager là, c'est qu'à mon avis, ce n'est pas que les nations très très développées, très riches qui pensent à ça. Je vous ai mis une photo que j'ai prise dans la vallée sacrée des Incas à Pichac. C'est l'entrée de la vallée sacrée que j'ai prise en 2018. Et ce Murpa m'a beaucoup plu puisqu'on voit une jeune fille qui rêve de science avec une main masculine qui tient une terre d'eau et de feu. Et je me suis dit, tiens, presque les Incas partagent nos interrogations. Les sciences de l'environnement s'intéressent à tous les milieux terrestres où la vie se développe, c'est-à-dire l'air, l'eau, le sol, et aux conditions offertes à la vie, et notamment le climat, aux liens entre la nature et le vivant, l'origine et l'érosion de la biodiversité, les écosystèmes, leur évolution, et toutes les interactions entre l'homme, la nature et tous les êtres vivants. Et pour la présence des femmes dans l'environnement, j'ai choisi un exemple statistique très simple. Je suis allée dans l'encyclopédie de l'environnement. Alors, cette encyclopédie, pour tous les gens qui s'intéressent à l'environnement, je vous la recommande vivement parce que je trouve que l'ensemble des articles sont à la fois accessibles et bien documentés. Eh bien, sur les 182 auteurs, il n'y a que 44 autrices, c'est-à-dire que 24%. Mais vous allez voir que ça n'a rien de scandaleux.
parce que c'est à peu près le taux qu'il doit y avoir. En effet, si on regarde l'état des lieux des femmes travaillant dans la recherche française, au niveau université, toutes disciplines confondues, il y a 39% de femmes, et en sciences de l'ingénieur, il y en a 19. Au CNRS, c'est 34% pour toutes disciplines, en sciences pour l'ingénieur, près de 23%. Et dans les entreprises, toutes disciplines, il n'y a que 20% de femmes et 13% sciences de l'ingénieur. Donc, on voit que dans les sciences de l'environnement, par rapport, les sciences de l'ingénieur sont qu'une petite partie des sciences de l'environnement. Les sciences de l'environnement sont, à mon avis, à peu près, l'encyclopédie de l'environnement est à peu près représentative du nombre de femmes chercheuses dans ce genre de domaine. Alors, mais on peut aussi se demander pourquoi il y a si peu de femmes en sciences, et notamment en sciences de l'ingénieur. Parce que dans notre pays, les femmes réussissent très bien leurs études supérieures. En licence, elles sont 58%, en master, 62%, 46% ont un doctorat, et que 28% qui sont dans les écoles d'ingénieurs. Ce qui peut expliquer un peu le retard que l'on observe dans les sciences de l'ingénieur et en partie dans les sciences de l'environnement. Quand on regarde pour pouvoir faire de la recherche dans nos domaines, on peut regarder la répartition des doctorants par sexe et par discipline, et on voit qu'en sciences fondamentales et en application, les femmes sont que 31%. À rapprocher du 28% des femmes qui sont dans les écoles d'ingénieurs. Tandis que quand on regarde en langue, les femmes sont en grande majorité, 67%. Et cette ségrégation, j'ai voulu voir si, comment elle avait évolué. Et si on regarde dans l'ensemble de la formation supérieure, on partait de 55% de jeunes femmes il y a en 2005-2006 et à peu près la même chose en 2015-2016. Dans l'ensemble des formations scientifiques du supérieur, on a augmenté de 2 points, passant de 38 à 40. Et dans les écoles d'ingénieurs, on a aussi augmenté de 2 points sur cette décennie-là, en passant de 26 à 28. Mais il est clair que si on augmente dans les écoles d'ingénieurs que 2 points tous les 10 ans, la parité est encore loin d'être atteinte dans nos domaines. Alors, on peut se demander pourquoi, en fait, l'évolution est aussi lente dans les écoles d'ingénieurs. Alors, en France, dans les lycées, on peut que voir que la parité est rarement atteinte. C'est-à-dire que si on va au lycée général et technologique, on a parité, voilà. C'est bien, quoi. On est 54% de filles, 46% de garçons, c'est vraiment très bien. Mais par contre, durant le temps où il y avait les baccalauréats littéraires, scientifiques, là, les statistiques sont encore à établir avec la réforme Blanquer, les jeunes femmes étaient 80% à peu près dans le baccalauréat littéraire, tandis qu'en sciences techniques, l'ingénieur, développement durable, elles étaient que 7%. Dans l'enseignement supérieur, où également on peut voir, grosso modo, presque parité en général, elles sont moins de 2% en mécanique auto, et dans le travail social, eh ben, les garçons sont que 3%. Ce qui, tout ça, crée d'énormes déséquilibres. Et là, je suis pour parler des déséquilibres en sciences. Mais en travail social, ça me paraît vraiment aussi très important à être noté parce qu'il y a certains jeunes enfants qui ne rencontrent pas d'hommes comme modèle avant qu'ils arrivent à l'âge d'une dizaine d'années. Donc, ces ségrégations relèvent de choix d'orientation de chacun et chacune. Mais à mon avis, on ne choisit qu'en fonction de ce que l'on connaît. Et ce que l'on connaît, fonction de l'environnement culturel de chacun et chacune. Et donc, ici apparaissent le poids des stéréotypes, c'est-à-dire des clichés que l'on partage tous ensemble, hommes et femmes,
qui est un peu aussi, qui fait partie de notre fond culturel. Et ces stéréotypes, très souvent, ils s'appuient sur une insuffisance de modèles féminins. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des femmes très connues en sciences, on peut indirectement se penser, eh bien, le cerveau féminin n'est pas fait pour les sciences. Alors là, je voulais vous faire voir ce qu'est un stéréotype. J'ai pris un exemple dans voilà, d'un tapis de soi-disant de jeu qui ressemble à une marelle, qui est fait pour des dentifrices. Alors, il y a des cinq enfants absolument charmants qui sont mis sur ce tapis de jeu. Et voilà, vous ne pouvez pas voir parce que c'est écrit trop petit, mais voilà ce qui est écrit. C'est écrit Wilfried le bolide, Timéo le super-héros, Pauline la coquine, Romy la chippie et Juliette la starlette. Donc, on met les deux petits garçons, Wilfried et Timéo, en mouvement, en étant bolide et super-héros. Et puis, les trois petites filles, on les renvoie à des caractères coquines, chippies, starlettes, qui ne sont pas du même ordre. Et moi, je pense que ces stéréotypes sont dangereux pour les petits garçons, parce que être un bolide, ça veut peut-être dire qu'on va les tuer sur les routes quand on aura entre 20 et 25 ans. Et puis, dire que Pauline est coquine et Juliette est starlette, peut-être que ça veut dire qu'elles ne sont pas très, très, très dans l'action, mais beaucoup plus tournées vers elles-mêmes. Un autre stéréotype, c'est celui-là. C'est un gant sur lequel il est marqué « Oh, je suis bien, bien trop jolie pour pouvoir faire des maths. » Et ces stéréotypes induisent dans la tête des filles dès leur plus jeune âge que dans la société, leur rôle est moins important que celui des garçons. Et ça induit globalement, à l'échelle, bien sûr, on trouve toujours des filles, et heureusement, individuellement, qui ont confiance en elles et qui sont sûres de leur efficacité personnelle. Mais globalement, dans notre société, les filles ont moins confiance en elles, moins confiance dans leur réussite, sociale que les garçons, et elles pensent globalement être moins efficaces. Donc, dans notre environnement culturel, le sexe de celui qui occupe tel ou tel poste constitue un marqueur durable pour la représentation de l'emploi. C'est-à-dire que quand on est un enfant, si on a en face de soi une personne qui travaille le moteur et qu'on est un petit garçon, on se dit oui, c'est possible pour moi. Quand on est une petite fille et qu'on voit une infirmière, on se dit oui, c'est possible pour moi. Si on ne voit pas l'inverse, on ne se dira pas, c'est possible pour moi. Et il faut savoir que ce marquage est un marquage excessivement durable, ce qui explique la lenteur de la féminisation de certains métiers, notamment des métiers de l'ingénierie. Même quand on commence à avoir une certaine mixité dans la profession, on continue de penser dans les familles et dans toute la société que les métiers de femmes, c'est tout le soin, la douceur, la compréhension, la patience. Tous ces métiers qu'on appelle les métiers du care et que l'on estime conciliables avec une vie familiale. Tandis que les métiers d'hommes, c'est beaucoup plus la force, la résistance, le courage, voire la saleté, le prestige, le pouvoir. Et vous voyez que ce sont des stéréotypes parce que si vous inversez la colonne métier d'homme, vous le mettez au-dessus des soins, de la douceur, et métier de femme, vous le mettez au-dessus de la force, de la résistance, etc., vous voyez que ça ne fonctionne plus du tout. Il y a quelque chose qui cloche. Donc, c'est ce qui prouve que le soin, la douceur associée aux femmes, la force, la résistance associée aux hommes sont des stéréotypes. Et ça conduit pour les familles qui ont des ambitions pour leurs enfants, il y a beaucoup, la plupart des familles ont beaucoup d'ambitions pour leurs enfants, de dire ma fille sera médecin, mon fils sera ingénieur. Du coup, les filles qui sont à 46% dans le bac S, se retrouvent surtout dans les filières de santé, beaucoup plus que dans les filières de l'ingénierie. Et ça, on se dit que globalement, sur la société, il y a une insuffisance de modèles féminins. J'ai pris les établissements de l'Académie de Grenoble et il n'y a que 11% des collèges et que 11% des lycées qui portent des noms de femmes. Alors, il y a des progrès à faire parce que les hommes sont respectivement plus de 50% et l'autre 47%. Donc ça, c'est une invisibilisation des femmes dans notre société que chacun peut
peut voir s'il regarde autour de lui dans l'espace public. Dans les manuels scolaires, on constate qu'à chaque réforme, de nouveaux livres sont édités dans lesquels la représentation des femmes dans les sciences, je dis bien la représentation des femmes dans les sciences, est quasi inexistante. Et les éditeurs ont beau être rappelés à l'ordre, ils continuent de marcher sur leurs stéréotypes et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de femmes qui apparaissent visibles dans les sciences, dans leurs nouveaux manuels. Alors, on crée des modèles, il y a quand même une volonté de créer des modèles, et comme la Fondation Roald Pantin est pas loin de Valence, je tenais à signaler que la direction du pôle universitaire de Valence a choisi en 2016 de dénommer le pôle universitaire qui s'appelait de la Tour Maubourg et de l'appeler pôle Marguerite Soubiran, qui est une résistante, qui était résistante à Dieu le fit, et qui est également une personne qui a souhaité faire en sorte que les enfants en difficulté aient accès à une bonne éducation et qui a créé l'école de Beauvallon vers Dieu le fit. Un autre modèle féminin, par exemple, qui est connu internationalement et qui est un modèle féminin relevant du climat, donc du développement durable, c'est Valérie Masson-Delmotte, qui est directrice de recherche au CEA, qui est une spécialiste reconnue en paléoclimat et qui, depuis 2015, co-préside le groupe numéro 1 du groupe d'intervention et d'études sur le climat. En 2016, elle a été lauréate femme scientifique de l'année du prix Irène Joliot-Curie. Et en 2016, elle a reçu une récompense de l'Union européenne des géosciences et qui est décernée aux scientifiques qui consacrent leurs travaux au domaine du changement climatique, ce qui est le cas de Valérie. Et puis, il y a d'autres initiatives, comme celles qu'ont pris le CNRS et Femmes et Sciences, et que Parité Sciences est en train, avec les partenaires Grenoble INP, UGA, INRIA, de décliner sous sa forme grenobloise. Il y a des portraits qui ont été faits par un artiste de femmes en sciences, et ce sont des portraits qui sont légèrement décalés, avec chaque femme qui a le droit d'avoir une petite phrase qui lui correspond bien. Et là, je vous ai choisi quatre personnes dont la recherche relève du développement durable, à savoir l'écologie végétale, l'océanographie, la botanique et l'épigénétique. Et puis, comme on est le 11 mars, je me permets de lancer l'éditathon Femmes et Sciences. C'est une initiative de la CASMAT, le CCSTI de Grenoble et du Quai des Savoirs, auxquelles sont associées Parité Sciences et Femmes et Sciences. Et Wikimedia Science. Et l'idée, c'est d'avoir 4 jours pour traduire, enrichir les articles sur les femmes scientifiques dans l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Et en fait, Toulouse mettra en ligne des fiches sur l'intelligence artificielle et Grenoble mettra en ligne des fiches sur les femmes dans les sciences de la Terre. Voilà, et je vous mets le lien pour ceux qui auraient envie de participer. Vous êtes tous les bienvenus, toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Voilà, j'ai fini. Je remets Oui? ma webcam, vous m'entendez, pardon. Un gros problème. Merci beaucoup, Madame Etet, c'était vraiment passionnant. Il y a plein de choses que je ne savais pas. Et effectivement, en ce qui concerne la représentation, je l'avais jamais vraiment abordée de cette façon-là. Je n'avais pas vraiment pensé à ça, le fait d'avoir, quand on est enfant, une image effectivement d'un personnage soit masculin, soit féminin, à un poste professionnel ou autre d'ailleurs, mais c'est vrai, je n'avais pas réalisé ça dans ce sens-là. Donc là, j'ai appris quelque chose et puis l'éditathon, c'est absolument super. Moi, je pense qu'on va toutes s'inscrire à la fondation pour vous Ben aider. j'espère, merci, allez-y, Absolument. allez-y. On n'aura jamais suffisamment de bonne volonté. Oh, tout à fait. Alors, je ne sais pas, merci beaucoup. S'il y a des questions déjà à présent
de l'auditoire. Vous êtes assez nombreux, vous êtes plus de 60 en ligne avec nous. Est-ce que vous avez des questions? Donc vous pouvez lever la main, donc soit par chat, peut-être directement voilà, en levant la petite main que vous avez sur votre écran. Donc, pour l'instant, il n'y a pas énormément de questions. Moi, peut-être je vais commencer, Madame Etta, quand même avec peut-être une ou deux questions sur ces sciences de l'ingénieur. Donc, on a vu que finalement, les filles allaient vers plus le médical ou plus les sciences naturelles, finalement, Oui. et ces sciences de l'ingénieur un peu moins. Et ma question, elle était plus sur comment ça s'est passé finalement, cette féminisation au cours du temps, parce que je ne pense pas avoir assez de recul. Est-ce que vous savez comment ça s'est fait? Et est-ce que, comme vous le dites, finalement, c'est parce que c'est en accord avec une soi-disant nature féminine et donc ça a plus pris que le reste? Ou est-ce que vous pensez que c'était parce que sociétalement, c'était par exemple plus acceptable pour une fille d'avoir ce genre de métier? Alors, au moment où on a créé le lycée pour les filles, je ne sais plus la date, c'est comme lycée 1880, quelque chose comme ça, il était clair que c'était pas du tout, elles n'auraient pas le droit d'aller à l'université après. On estimait qu'il fallait qu'elles aient accès à une bonne instruction pour bien instruire leurs enfants après. Et par exemple, quand on regarde les lois Ferry, qui datent à peu près de la même année, il était écrit textuellement que l'enseignement primaire devait former les petits garçons à être de bons ouvriers et de bons soldats et les filles à être de bonnes mères de famille et de bonnes aussi épouses. Donc l'enseignement, il n'y a pas si longtemps, 1880, hein, on remonte pas aux hommes préhistoriques, était excessivement différencié et pour pouvoir faire admettre que par la société, qu'il fallait effectivement instruire les filles, il a quand même fallu dire, oui, si les filles, en fait, on les instruit, c'est pour qu'elles soient encore de meilleures mères et encore de meilleures épouses. Par exemple, quand Ada Lovelace, la fille de Lord Byron, a inventé le premier algorithme, il y avait des gens qui, à l'Académie de médecine anglaise, écrivaient, il faut surtout pas donner des notions de maths aux filles parce que ça les rend hystériques. Donc, vous imaginez, vous avez envie que votre fille a des dispositions pour les maths, vous allez au contraire la mettre à la broderie pour l'empêcher de devenir hystérique, parce que sa vie en dépend quand même. Et c'était tout à la même époque. Donc, le cheminement pour que les femmes aient accès à l'université a été long, pour qu'après, ça vienne que les femmes puissent faire des sciences. Je pense que ça a eu des hauts et des bas. Moi, je suis pas spécialiste de l'histoire des sciences. Je ne me permettrai pas d'en dire plus, mais je vous ai donné quelques exemples qui peuvent faire réfléchir aux tous les préjugés qu'il peut y avoir vis-à-vis de ça, quoi. Et de penser que parce que les femmes engendrent, il y a des spécificités dans leur cerveau et socialement, ça met des biais parce qu'elles sont autorisées à aller vers les métiers du care naturellement, c'est-à-dire les métiers du soin naturellement, mais comme c'est naturel, ça ne leur demande pas d'efforts, on les paye moins. Et on l'a vu là au moment de la crise sanitaire que l'on vit, on a eu besoin de tout le courage, de tout l'endurance des personnels de santé et donc énormément de femmes pour pouvoir aller de l'avant, s'en sortir et s'en sortir dignement. Or, c'est des métiers qui sont mal payés. Ouais. Ça, c'est bien vrai. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, on a une question de Madame Bartolomucci. J'espère que je le prononce bien. Je vous prie de m'excuser si ce n'est pas le cas. Je vais ouvrir votre micro. Si vous pouvez ouvrir votre micro, voilà, vous Oui. êtes en ligne. Bonjour. Bonjour, oui, alors non, c'était parfait pour le nom, pas de problème. Merci beaucoup pour cette très intéressante présentation. Ça m'a particulièrement parlé le moment où vous dites que finalement les orientations vont être influencées par ce qu'on connaît. Alors c'est vrai que de manière très simpliste, on pourrait effectivement dire, voilà, comme on le dit là, les femmes vont aller plutôt vers des choses moins techniques. Mais c'est vrai que bon, moi j'ai un master
en informatique et je me suis reconvertie en environnement. Donc là, je suis en train de faire un master en environnement. Et c'est vrai qu'à l'époque, je m'étais engagée là-dedans parce que j'avais un oncle ingénieur que j'admirais beaucoup. Donc je ne serais pas forcément allée là-dedans si j'avais pas, je ne l'avais pas eu autour de moi. Et en fait, ma question, c'était par rapport, j'aimerais savoir votre avis, parce que moi-même, je ne sais pas trop quoi en penser sur la discrimination positive, où il y a l'instauration de quotas, parce que là, dans mon environnement professionnel, moi, je suis dans une très petite structure, une fondation environnementale avec, je suis la seule femme et puis des hommes qui peuvent être un peu, voilà. Pas très ouvert au féminisme. Et puis, dernièrement, ils n'étaient pas très contents parce que leur candidature pour participer à un colloque avait été refusée parce qu'il y avait suffisamment d'hommes et que les organisateurs voulaient des femmes. Et bon, bah là, ça leur a pas plu du tout. Et puis, ils ont dit qu'ils souffraient depuis des années de ces quotas et que c'était scandaleux. Et bon, j'étais en infériorité, donc je ne savais pas trop quoi dire, mais. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Merci. Oui, c'est une question délicate et qui divise énormément l'histoire des quotas et qui divise même au niveau de tout Femmes et Sciences. On n'est pas toutes d'accord là-dessus. Moi, il y a 20 ans, je vous aurais dit, mais les quotas, c'est immonde. Les quotas, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, en Amérique, patati patata, puisque l'Amérique avait fait les quotas dès 1980. Et maintenant, je me dis, mais c'est peut-être le seul moyen de faire changer les choses. On s'en fiche de ce que ces hommes disent. Mais pour moi, c'est facile de dire, je suis à la retraite. Mais je ne l'aurais peut-être pas dit de façon aussi claire quand je travaillais avec des hommes. Eh oui, c'est ça. Mais voilà, parce que si on ne met pas des quotas, si on ne rappelle pas tout le temps, tout le temps, tout le temps aux hommes, attention, on existe, et ben, leur propre modèle, c'est le seul modèle qui est légitime. Mais voilà, qu'est-ce que l'on veut? Et ça, c'est des choix de société. Donc, ce n'est pas mon opinion vraiment qui a de l'importance. C'est qu'est-ce que la société souhaite. Et il n'y a pas que mettre les quotas. Si une société souhaite une parité et une parité de partout, parce que je vous ai quand même signalé tout à l'heure le problème, l'absence de modèle masculin dans les crèches, c'est de partout qu'il faut travailler. C'est dans la séparation des tâches, c'est dans l'organisation de la sphère privée aussi. Donc oui, on pose des problèmes, mais vos collègues qui se renseignent, qui se renseignent. Moi, je ne sais pas, il faut qu'ils demandent aux organisateurs. Peut-être les organisateurs leur répondront beaucoup mieux que moi pourquoi ils ont choisi de mettre des quotas. Ils savent, les organisateurs, ils ont leur but. Et ils sont respectables, ces buts, puisque c'est eux qui organisent. Tout à fait, oui. Merci. Oui, puis il faut bien, c'est vrai qu'on en parlait aussi du syndrome un peu de l'imposteur sur les chaires dédiées de ce type-là tout à l'heure hein, avec Madame Jean et Madame Mettet également. Il faut quand même se rappeler, et moi je trouve ça un peu important, je crois qu'il y avait eu un débat là-dessus sur les experts qui étaient demandés sur les stations de radio ou bien en télévision, en plateau télévision, il y avait beaucoup d'hommes, très peu de femmes. D'ailleurs, je crois qu'il y a un site web maintenant qui recense les femmes expertes. Et l'idée derrière ça, ce que disaient les journalistes, c'est que c'était plus pratique parce que c'était les noms qui ressortaient tout le temps, ils étaient là dans leur calendrier et puis ils revenaient régulièrement. Et donc que le fait d'aller chercher d'autres experts, c'est pas qu'ils étaient moins experts ou que ces femmes étaient moins expertes, c'est juste qu'elles étaient plus compliquées à trouver. Il fallait, voilà, fallait faire l'effort de passer un peu de temps. Et peut-être aussi, je pense, nous, on organise aussi des meetings et le fait d'avoir des quotas, bah, ça nous permet justement d'aller vraiment chercher d'autres personnes que celles qui reviennent un peu de façon récurrente. Et donc c'est plutôt pas mal et ça n'a rien à voir avec la légitimité des personnes. Enfin, je suis désolée, je faisais juste une petite aparté, ça me paraissait intéressant. Alors, une autre question. Madame Chandery. Dominique de son prénom. Oui, je la connais, on se connaît bien. Ah. Alors, je vais. Si vous pouviez ouvrir votre micro, je ne sais pas s'il est allumé. Voilà, ça y est, vous êtes Voilà, en ligne. c'est bien Bonjour. maintenant.
Bonjour Jacqueline. Non, je voulais juste dire Bonjour. un tout petit mot à propos des quotas, parce que je pense qu'effectivement, c'est une question à laquelle on entend souvent la réponse qu'a dit l'interlocutrice précédente. On dit, ben, ça y est, maintenant, finalement, les hommes n'ont plus la parole parce qu'on favorise les femmes. Ce qui est important, c'est d'essayer de regarder les chiffres et de voir exactement ce qui se passe. Par exemple, nous, pour les conférences, ce qu'on dit maintenant, il faut regarder, par exemple, à la conférence précédente, quel était le taux de femmes qui participaient. Et pour la conférence suivante, on dira le taux de femmes oratrices doit être égal au taux de femmes qui ont participé à la conférence précédente. Parce que bien souvent, les hommes ont le ressenti qu'on donne un plus aux femmes, alors que ce qu'on fait simplement, c'est qu'on leur donne une juste représentation. Et pour ça, c'est important de mesurer, c'est-à-dire d'être capable de dire, voilà la proportion de femmes dans la discipline, et donc voilà la proportion de femmes qui doivent être oratrices. Et je crois que le fait de mesurer est fondamental. Et c'est quelque chose qui, enfin bon, moi qui suis un peu âgée, je me souviens que dans les années 80, il y a eu la loi Roudy qui disait que justement, il fallait faire des statistiques sexuées et que ces statistiques, ça sert justement à mesurer et à voir dans quelle mesure la façon dont on travaille est représentative du taux de femmes dans les différents métiers. Parce qu'il y a, y a parfois un ressenti qui est très différent de la réalité. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Et Merci sinon, beaucoup. très intéressant comme réunion là. Oui, C'est merci, oui, c'est organisé vraiment ça. sympathique. Merci pour votre question. Alors, je suis un petit peu biaisée parce que je vois que notre président nous a rejoint et qu'il a une question. Monsieur Garrigue, Philippe, je vais ouvrir ton micro, si tu veux ouvrir ton micro. Voilà, je suis en ligne. Très bien, Bonjour Philippe. merci. Merci à tous. Merci pour cette conférence. Non, moi, je voulais faire un petit commentaire sur une expérience que j'ai moi-même vécue. Bon, moi, j'ai une formation d'ingénieur et puis après, je suis rentré au CNRS. Mais en fait, ce qui s'est passé, il y a ce que j'appelle des opportunités d'organisation sociale qui, à un moment donné, vont mettre en œuvre certains processus dans lesquels on n'avait pas forcément pensé. Alors, ce qui s'est passé très très rapidement, c'est qu'à la fin des années 70, le service militaire qui était obligatoire a été restreint dans le temps, c'est-à-dire qu'on ne devait plus pouvoir faire son service militaire après 23 ans. Voyez, on remonte aux années 70, je suis quand même assez ancien. Mais ce qui s'est passé, c'est que à cette époque-là, quand les gens se sont préparés pour les concours aux grandes écoles, bah, ils ont postulé et la plupart d'entre eux sont partis effectivement au service national. Résultat, on a eu une année où, dans certaines écoles, on a eu jusqu'à un tiers, voire la moitié des élèves ingénieurs qui étaient des femmes. Voilà. Et moi, je l'ai connu personnellement, je veux dire, à l'école d'ingénieurs que j'ai fait. Donc voilà, ça, je dirais, c'est une opportunité d'ouverture aussi, qui n'était pas du tout attendue, qui n'était pas forcément quelque chose qui était prévu, quoi. Voilà, c'est tout. Merci Philippe. Donc, service militaire pour tout le monde maintenant. Hop, hop, hop. Alors, je vois Madame Berge qui a une question également. J'ouvre votre micro. Oui, Bonjour. bonjour. Donc, je suis à la fois adhérente à Femmes et Sciences et puis aussi je suis référente égalité-diversité à INRAE, qui est mon institut de recherche. Alors, j'avais la même remarque précédemment, c'est-à-dire quelque chose de super simple, c'est de compter. Partout où on est, tout ce qu'on voit, on compte et on regarde quel est le taux de femmes et d'hommes. On entend une émission où il y a les auditeurs à la radio qui interviennent, on compte, on compte, on compte. Et déjà, mais rien que ça, déjà rien que ça, on s'aperçoit de cette inégalité. On s'aperçoit très très bien que les femmes et les hommes n'ont pas du tout le même accès aux différents médias, la même représentation dans la sphère publique, dans la sphère privée. Et donc ça, je trouve ça assez simple à mettre en œuvre en fait. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. La deuxième remarque, c'était dans mon travail de référente. Donc, on essaye de faire changer les choses, etc. Et j'ai une question par rapport à comment embarquer les hommes, c'est-à-dire qu'on va vers un progrès de société en militant pour cette égalité-diversité. Et voilà, et c'est un progrès aussi pour les hommes, et d'ailleurs qui peuvent être victimes des stéréotypes, comme on l'a entendu tout à l'heure.
Et donc voilà, ça c'est aussi quelque chose, je pense, qu'on peut être dans la façon de dire les choses ou la pédagogie qu'on utilise ou bien l'angle par lequel on va amener ces questions et amener les changements, on pourra embarquer plus ou moins les hommes pour qu'ils œuvrent pour cette égalité, évidemment, hein. Donc, c'était ça. Et la troisième chose, c'était aussi l'écriture inclusive que moi, j'essaye d'utiliser le plus possible et pour laquelle, je pense, c'est très important parce que justement, les femmes, elles se voient maintenant qu'on met les noms de métiers au féminin, maintenant qu'on féminise nos phrases, etc. Ça fait vraiment une différence. Mais par contre, il y a beaucoup de freins à l'utilisation et donc, il y a aussi peut-être des progrès à faire pour ça ou de pédagogie. Voilà, c'était les trois points que je voulais aborder. Merci pour la conférence, c'était très intéressant, Jacqueline. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez rebondir, Non, non, peut-être non, Marine, non, c'est c'est trop d'autres tôt. compétences. Oui. Moi, sur l'écriture. Je suis globalement d'accord. Je pense que je n'ai pas fait d'erreur d'écriture inclusive sur mes transparents. Non, mais c'est l'écriture inclusive. Ouais, moi j'essaye aussi de la transmettre à mes étudiants parce que je donne un cours sur le genre et je les oblige à rédiger en inclusive le devoir pour mon cours. Mais on a régulièrement des discussions avec des collègues quand il s'agit de rédiger des documents, des lettres, enfin voilà, communes. Et il y a quand même beaucoup de résistance enfin, au sein de la communauté universitaire. Voilà, à cet usage-là, quoi, avec les arguments habituels, hein, c'est trop compliqué, voilà, à utiliser, ça dérange la lecture, bon, etc. Imaginons pour les non francophones, voilà, comment, avec l'idée que l'écriture inclusive entraînerait favoriserait encore davantage l'invasion de la langue anglaise au détriment de la langue française. Avec ce type d'argument qui revient, voilà, qui sont classiques, qui revient régulièrement, sachant que l'Académie française, voilà, s'est récemment opposée, hein, à l'usage de l'écriture inclusive, a admis la féminisation des noms de métiers en reconnaissant que c'était un progrès, mais point, surtout pas au-delà. Voilà. Merci beaucoup. Je vois juste, je vois que ce qu'on a des hommes quand même avec nous, puis on aime bien les hommes. Hein. On voit, je vois une remarque de Monsieur Chalandard qui dit, comme bien exposé, la structuration se passe dès l'enfance, tant dans le champ familial qu'à l'école. Or, le féminin est surreprésenté dans le premier degré. Voilà, je vous ai lu, Monsieur Chalandard. Je ne sais pas si vous voulez intervenir après en direct. En attendant, je vais peut-être prendre la question de Madame Daléas. Je vais ouvrir votre micro. Voilà. Bonjour, Madame Daléas. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui. faiblement, mais on vous entend. Ah, je vais essayer de mettre le Ah, micro au super. maximum, ça va mieux. Oui, je voulais rebondir, donc merci beaucoup pour cette conférence très, très intéressante et sociologique, féministe. Quand vous parliez des métiers du Caire, je voudrais quand même souligner que les métiers à prestige, qui est donc dans la case masculin, comme médecin ou chef cuisinier, qui est la cuisine domaine soi-disant domestique. Quand un métier est domestique, il est féminin. Quand il est dans la sphère privée, il est féminin. Quand il est dans la sphère publique, il est masculin et valorisé. Donc médecin par rapport à l'infirmière, qui n'avait pas les droits d'exercer la médecine. Les chefs cuisiniers, les femmes chefs se battent depuis longtemps pour essayer, voilà, d'être visible, comme vous dites, et tout métier qui se féminise se dévalue. Avant, il y avait beaucoup d'institutrices, d'instituteurs. À partir du moment où c'est devenu des institutrices, il s'est dévalorisé. Il est donc, comme vous dites, moins payé. Et donc maintenant, il y a de moins en moins d'instituteurs. Voilà. Et donc, dans les modèles de représentation des métiers que peuvent avoir les enfants dans l'enfance, c'est aussi social, c'est-à-dire que c'est l'environnement social qui détermine aussi les métiers auxquels on peut penser. Et des enfants qui sont dans un milieu où il y a moins de docteurs autour d'eux, moins d'oncles qui sont ingénieurs, chercheurs, musiciens, tout ce qu'on veut, ont moins de modèles comme ça et s'identifient moins à ce qu'ils pourraient devenir. Et la chose que je voulais vous demander aussi, c'est comment arriver à lutter à tout ce qui est intériorisé par les femmes elles-mêmes,
sur ces stéréotypes qu'elles ont vraiment intériorisés, c'est-à-dire même des femmes ne comprennent pas le débat sur l'écriture inclusive, ne voient pas l'intérêt, ne sont pas choquées par les zones roses bleues dans les magasins, enfin, sont confortées dans le rôle qu'on leur a donné, enfin, je ne sais pas, ou vivent, ne voient pas, alors je suis peut-être trop féministe, j'en sais rien, trop, ne voient pas, pareil comme les hommes aussi, ils ne voient pas qu'on les a construits, qu'un garçon est construit, une fille est construite avec tout ce que l'environnement familial, sociétal, etc. Et donc, du coup, ce que j'aime bien, moi, des fois, pour me poser des questions c'est qui sont posées aux femmes, c'est est-ce que la personne poserait la même à un homme, par exemple. Voilà, déjà, quand on se pose cette question, on a un petit peu répondu, quoi. Il y a des questions qu'on pose aux femmes qu'on ne pose pas aux hommes. Et je trouve l'idée aussi, là, de compter... de compter, voilà, c'est un petit peu le même problème pour toutes les minorités invisibles, si je puis dire, toute la diversité, les gens de couleur, les gens en situation de handicap, etc. C'est toujours ça. Est-ce qu'ils sont sous-représentés? C'est un peu le même débat. Et puis là aussi, pour les écoles scientifiques, ils n'ont pas été ouvertes aux filles, donc même celles qui voulaient le faire, c'est notre problème. Je sais qu'il y a beaucoup de sociétés qui voudraient recruter des ingénieurs, des femmes ingénieures, mais qui n'en ont pas assez sur le marché du travail, parce qu'il n'y a pas assez d'écoles d'ingénieurs non plus, etc. etc. Et les professeurs, j'avais entendu aussi que les éducateurs, les orientateurs dans les écoles, ils sont représentatifs de la société française, donc ils orientent les filles vers des métiers dits féminins ou masculins, enfin voilà, etc. J'avais entendu une étude aussi d'enfants à qui on a dit à certains de compléter une figure géométrique et à d'autres on a dit de compléter un dessin. Ceux à qui on a dit que c'était un dessin ont mieux réussi que ceux à qui on a dit que c'était un modèle géométrique parce que c'était associé aux maths et que ça avait l'air compliqué, ils avaient intériorisé qu'ils n'étaient pas bons en maths, enfin, etc., etc. Donc il y a plein de façons de présenter les possibilités que peuvent avoir, je pense, les enfants, mais il faudrait que les éducateurs les aient déjà. Puis on voit que dans les manuels, ce n'est pas vraiment le cas. Hein. Les manuels d'histoire sont très stéréotypés. Enfin, je pense qu'il y a des stéréotypes partout. Enfin, c'est ça la grosse... Et puis on n'est pas aidé par les publicités, on n'est pas aidé par les émissions, par tout ça qui reflète la société. La société française, de par son langage, est très sexiste. Tant que le « il » remportera un garçon, un million de femmes, ça sera « il ». Enfin, moi, je trouve que, voilà, il y a beaucoup de progrès à faire. Et donc, je remercie toutes les femmes qui luttent toutes les personnes qui œuvrent comme ça à faire aussi adhérer beaucoup, beaucoup d'hommes qui ont encore beaucoup de pouvoir partout pour pas le partager, parce que bon, c'est pas ça qu'on veut, mais permettre à toutes les femmes et les filles de s'épanouir dans des domaines qu'ils aiment, quoi, voilà, épanouissant pour elles. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir laissé la parole aussi. Merci. Je vous en prie, merci. Je ne sais pas si Madame Etta ou Madame Jean vouliez faire un commentaire sur ce qui a été dit. Oui, je peux réagir parce que madame a dit quelque chose sur les questions qui étaient adressées aux hommes, aux femmes et pas aux hommes. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'elle entendait, mais en science, très souvent, on va poser les questions aux hommes parce qu'on va penser qu'ils sont plus experts que les femmes. C'est-à-dire que quand on est en minorité dans un congrès, eh bien, si on est avec des collègues masculins, même sur une conférence qu'on a fait soi, les hommes vont plutôt aller voir les collègues masculins parce qu'ils se sentiront plus à l'aise. De même qu'on sait l'importance pour développer des bons projets, d'avoir des réseaux, pour une femme, dans mon domaine, c'est plus difficile de développer le réseau parce que les réseaux, ça se développe aussi de façon informelle, c'est-à-dire... après la conférence, on va boire un pot, on discute, qu'est-ce que tu fais, tout ça. Ben tiens, il y a ça qui est intéressant, on pourrait creuser la question. Mais inviter une femme, tu viens prendre un pot avec nous, c'est excessivement gênant pour les hommes. Donc souvent, eh ben, ils oublient. Voilà, mais voilà, ça fait partie de notre société. Mais quand on dit adresser des questions aux femmes,
Oui, c'est intéressant d'adresser les questions aux femmes parce que les femmes, elles sont, peuvent aussi être expertes et il faut penser à le faire. Très bien. Allô? Ouais, j'ai juste une question, mais ça va peut-être presque empiéter sur peut-être mon intervention après, mais sur cette idée que même les femmes elles-mêmes, en fait, voilà, semblent aussi prisonnières des stéréotypes, voilà, masculins, féminins. En fait, oui, malheureusement, mais c'est un phénomène qui vaut pour pas seulement pour les hommes et les femmes, enfin, selon ces catégories-là, mais en psychologie, on appelle ça, enfin, en économie aussi d'ailleurs, les préférences adaptatives, c'est-à-dire que les individus, en fait, s'adaptent aux possibilités réelles qui sont les leurs dans le monde et adaptent leurs préférences et leurs désirs aux possibilités qui leur sont offertes dans le monde, en fait, nécessité vertu et aux possibilités qu'on est sûr de pouvoir atteindre et aussi qui nous confirment dans notre identité plutôt que de nous exposer, en fait, à des attaques sur cette identité. Et c'est une analyse qui est très utilisée aujourd'hui, mais qui marche aussi bien pour le genre, pour la classe, enfin voilà, pour tous les rapports dominants-dominés. Et c'est difficile à combattre. Mais c'est pas surprenant, en fait. Voilà, psychologiquement, ça s'explique assez bien. Voilà. Merci beaucoup. On a des remarques dans le chat également sur le fait que les métiers de la recherche sont peut-être insuffisamment connus, notamment dans les lycées, qu'il n'y a pas suffisamment de filles qui ont accès, en fait, qui savent exactement ce qu'est la recherche. Il y a peut-être un manque de communication aussi. Et puis voilà, un défaut aussi de confiance en soi des deux côtés, hein, sur ces sujets scientifiques. Merci beaucoup pour vos questions. Je vois qu'il y a encore beaucoup de mains levées. S'il vous plaît, gardez-les. Ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser la parole à Madame Jouan, sa présentation. Et puis ensuite, gardez-les parce qu'ensuite, on partira sur un débat à nouveau tous ensemble. Voilà, peut-être on va faire comme ça. Madame Jouan, je vais vous laisser Oui, la alors, parole. je vais se remettre mon écran. Voilà, affiché. OK. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran, ça va? Ouais. Parfait. Parfait. OK, très bien. Alors, ben merci. Enfin, bonsoir à toutes et à tous déjà, et merci de m'avoir invité à l'occasion de cette journée. Bon, moi, je propose une intervention qui est dans une perspective philosophique plutôt que sociologique, donc qui va aborder ces questions-là de façon un petit peu plus générale, mais j'espère pas trop abstraite. Et je vais partir en fait d'un chiffre aussi qui fait allusion à ce dont vous parliez tout à l'heure, Delphine, un chiffre rendu public qui a été rendu public la veille de la journée Sciences et Médias qui s'est tenue le 29 janvier, qui était consacré donc cette année à la question à la représentation des femmes scientifiques dans les médias. Et d'après l'étude qui a été réalisée par l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information, qui est des organisateurs de cette journée, étude dont le quotidien Libération s'est fait l'écho, eh bien 60 à 80% des scientifiques interrogés durant le mois de janvier dans la presse écrite sont des hommes. Dans cette presse écrite, il faut inclure aussi bien la presse spécialisée avec des revues du type Pour la science, Sciences et Avenir ou Sciences et Vie, que la presse généraliste, type Le Figaro, Le Monde et Libération, par exemple. Alors, il est vrai, comme l'a rappelé Jacques Linettet, que le vivier est moindre à la base, et donc, dans cette mesure, cette faible représentation reflète elle-même la structuration très genrée du champ scientifique. Mais pour autant, cette représentation dans la presse écrite est encore plus asymétrique que la réalité ne l'est déjà, et cela jette un regard assez cru sur le déficit de compétences qui colle aujourd'hui encore aux femmes scientifiques, en raison duquel on ne va pas spontanément solliciter celles qui existent pourtant. Je pense que c'est important d'évoquer ce point-là, parce que je ne suis pas sûre que l'idée oh, mais les hommes sont disponibles, on les connaît, on va les chercher, alors que les femmes, on ne les connaît pas, et juste on ne fait pas l'effort, soit la seule explication. Parce que dans beaucoup de domaines scientifiques spécialisés, les hommes ne sont pas forcément très connus non plus, donc il faut bien aller les chercher. Donc pourquoi on va chercher les hommes et pas les femmes? Alors, en termes, si on veut enfin, décrire ce phénomène en termes un peu plus savants, on peut dire qu'il illustre ce qu'on qualifie de déni d'autorité épistémique,
Donc, ça signifie simplement qu'en dehors comme au sein de la communauté scientifique, on fait généralement moins confiance aux femmes qu'aux hommes pour faire de la bonne science ou de la vraie science. Ce qui signifie, de recherche, que l'idéal type du chercheur ou de l'expert est toujours aujourd'hui un idéal androcentré, au sens où les valeurs qui régulent la production des connaissances se rattachent à des qualités qui sont perçues comme essentiellement masculines. La rationalité, l'objectivité, l'impartialité, l'abstraction, l'universel, tandis que les femmes, eh bien, inversement, elles sont du côté de la sensibilité, de la subjectivité, du particulier, du concret, de la partialité, seraient donc moins aptes, en ce sens-là, à l'activité scientifique que les hommes. Alors, d'où l'importance, soulignée par Jacqueline Etet, puis à nouveau dans la discussion, hein, des rôles modèles, c'est-à-dire des femmes scientifiques qui exemplifient par leur carrière et leur réussite, la possibilité d'être une scientifique, bien que l'on soit une femme, ou tout en étant une femme, et donc qui offre aux plus jeunes des autrui significatifs, comme on dit en sociologie, je crois, auxquels s'identifier. Alors, que ce soit dans le temps présent ou aussi dans le temps passé de l'histoire, vous l'aviez rappelé dans votre introduction, Delphine, ça passe par la réhabilitation des femmes qui ont subi ce qu'on appelle l'effet Matilda, à savoir la minimisation, voire l'effacement des contributions des femmes aux découvertes et aux progrès des sciences, souvent au profit de leurs collègues masculins ou de leurs maris. Alors, Jacqueline a présenté quelques-unes de ces rôles modèles. On en trouve beaucoup dans le journal du CNRS, dans le dossier Femmes et sciences, qui met en avant des femmes d'exception dans les domaines scientifiques où précisément elles sont le moins présentes. Alors, j'ai entouré le terme d'exception parce que, en fait, je le trouve curieux, je trouve qu'il interroge. On ne sait pas si ces femmes sont d'exception par rapport aux autres femmes ou si elles sont d'exception dans un milieu d'hommes, mais je ne suis pas sûre que de les présenter comme des exceptions leur permette véritablement de jouer d'avoir ce statut de rôle modèle, puisque l'exception, justement, ce n'est pas le général. Je voulais le souligner là. Je pense par ailleurs qu'on ne dirait pas des hommes d'exception dans le même contexte. Alors, on pourrait faire la même chose dans plein d'autres domaines, en fait, c'est-à-dire réhabiliter ces femmes effacées de l'histoire, par exemple dans le domaine des arts, comme le suggère sur un mode beaucoup plus comique, en 1978, une planche de la BD Boule et Bill, où pour un devoir scolaire, Boule doit citer des noms de femmes illustres, et il se trouve court, évidemment. Alors, cette stratégie des rôles modèles, elle paraît remarquablement efficace, hein, pour contrer le processus de socialisation qui aboutissent à l'autocensure des femmes face aux métiers scientifiques en général, à certaines filières scientifiques en particulier, mais aussi face au plafond de verre qui les maintient, une fois rentrées dans ces métiers et dans ces filières, à des niveaux d'avancement, de reconnaissance et de responsabilité, donc aussi des niveaux de prestige symbolique et de rémunération qui sont inférieurs à ceux des hommes. Alors, c'est une stratégie, on a beaucoup parlé de la question de la parité tout à l'heure, pas celle est plus efficace que celle de la parité, ce sont des stratégies complémentaires, mais c'est vrai que les politiques de parité peuvent entretenir le doute sur les raisons pour lesquelles les femmes accèdent au même poste que les hommes, et en ce sens-là, elles ne parviennent pas toujours à effacer le stigmate qui pèse sur les femmes de science. En tout cas, la stratégie du rôle modèle a peut-être pour avantage de prendre le problème à la base, au sens où on fait en sorte qu'il y ait plus de candidates, si bien que celles qui sont élues le sont sur un vivier de candidates qui pourraient être comparables à ceux des hommes et qui pourraient éviter du coup les accusations de discrimination de leur part. Alors, cette stratégie des rôles modèles, elle constitue aussi, et c'est surtout de cela dont je vais vous parler dans la suite, une bonne porte d'entrée pour se familiariser avec le concept de genre qui est apparu dans le débat public depuis une dizaine d'années, bien au-delà du domaine des sciences, mais sans être pour autant devenu un concept ordinaire. Alors, juste avant la conférence, je suis tombée sur un article du Monde qui s'intéresse aux expressions dans lesquelles on utilise le mot genre, du type faire genre, alter genre, vraiment surprise. Enfin, c'est comme ça que parlent les jeunes aujourd'hui, paraît-il. Et c'est intéressant de voir que l'article, en fait, essaye de trouver, de restituer les différents sens du mot genre,
qui ne correspondent pas à cet usage-là. Mais nulle part, on ne trouve mentionné dans l'article l'idée que les genres, la question du genre renvoie au rapport homme-femme aujourd'hui. Donc, on va essayer de voir quel est le sens de ce terme quand on a en tête cette question-là. Alors, si les rôles modèles marchent, on peut en effet faire l'hypothèse que c'est parce qu'ils viennent mettre en question l'idée que les femmes seraient naturellement différentes des hommes et donc faites pour autre chose que les hommes. Alors, sans avoir encore le mot genre à sa disposition, puisque c'est un terme qui n'a commencé à être utilisé en son sens féministe que dans les années 80, c'est quelque chose qu'avait bien sûr déjà montré Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe. Et donc, j'ai choisi de repartir d'elle, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle nous dit dans cet ouvrage très célèbre, une sorte de bible du féminisme ? Elle nous dit que les soi-disant propriétés essentielles, les qualités intrinsèques des femmes, celles qui les font paraître différentes des hommes et qui seraient censées constituer leur nature spécifique, eh bien, ces propriétés ou ces qualités ne sont en fait rien d'autre que les possibilités humaines qu'elles ont eues dans l'histoire, le droit et le devoir de développer, de manifester et de réaliser, et auxquelles elles sont réduites, car d'autres possibilités, par exemple accéder au savoir, et plus encore produire du savoir, donc d'autres possibilités leur ont été fermées pour être réservées aux hommes. Alors, il y a une métaphore qui résume assez bien cela, que je reprends à un autre philosophe, qui est britannique cette fois, qui est John Stuart Mill, qui nous dit que certaines, en fait, des possibilités des femmes ont été cultivées en serre chaude, donc notamment celles qu'on trouve à l'œuvre dans la sphère privée, dont on parlait un instant, tandis que d'autres possibilités ont été plongées dans la glace. Alors, c'est le sens de la célèbre formule de Simone de Beauvoir, donc on ne naît pas femme, hein, on le devient. Elle nous dit que l'identité femme n'est pas un donné naturel, mais un artefact social et culturel. Autrement dit, la féminité n'est pas un quelque chose qui serait toujours déjà là, qui existerait indépendamment des différentes façons dont la culture décrit et prescrit ce que doit être une femme. Donc la féminité, c'est le résultat d'une formation, d'un apprentissage, voire d'un dressage au cours de laquelle la femelle acquiert son identité de femme et se conforme à elle. Alors Beauvoir, on le sait bien, va toutefois un peu plus loin que cela, puisqu'elle constate que la différence dans le cas des hommes et des femmes, bon, par contraste, je prends un exemple volontairement trivial, entre la différence entre les choux et les carottes, par exemple, eh bien, la différence entre les hommes et les femmes est systématiquement une différence qui hiérarchise, qui implique une infériorité. Et cela signifie que le processus de construction de l'identité femme est toujours aussi un processus de domination des femmes par les hommes ou de reproduction de cette domination, qui dissimule son caractère arbitraire en ayant recours à la nature, en soutenant que cette domination est naturelle. Alors, je le disais, Beauvoir n'emploie pas le concept, le mot de genre, parce qu'elle ne l'a pas à sa disposition, mais on peut dire que le concept y est déjà dans le deuxième sexe. Hein. On a déjà le sexe d'un côté et le genre de l'autre. Le sexe, c'est un ensemble de faits biologiques et corporels, plus ou moins invariants, qui statistiquement se répartissent de façon binaire, hein, femelle et mâle. Le genre, c'est l'interprétation culturelle et sociale de ces mêmes faits, une interprétation qui assigne au sexe des significations et des valeurs négatives ou positives. Des valeurs principalement négatives au sexe féminin, des valeurs principalement positives au sexe masculin, et des valeurs qui leur ménagent des places toutes faites dans la division du travail, on en a aussi déjà parlé dans la discussion. Alors pour faire court, le genre, donc, c'est la catégorisation sociale du sexe, ou la catégorisation sociale de la différence des sexes, qui est intériorisée et incorporée par les individus. Et puisque nous sommes des êtres sociaux, cette catégorisation fait ce que nous sommes à nos propres yeux, comme aux yeux des autres. Alors à partir de cette première compréhension du concept de genre, je vous en donnerai une seconde tout à l'heure, on peut schématiquement déjà concevoir deux façons de penser les sciences au féminin, c'était le titre de la conférence, ou bien de mettre les sciences au féminin. La première, je vous donne la slide, pardon, la première soutient que les différences entre les femmes et les hommes, puisqu'elles sont seulement socialement construites, eh bien ces différences sont superficielles et n'ont pas d'importance. Par conséquent, le genre du sujet de la connaissance, c'est-à-dire la question de savoir qui connaît ou qui cherche à connaître,
eh bien, n'a aucun impact sur la façon dont on produit les savoirs et sur le savoir que l'on produit. Mettre les sciences au féminin, ou les féminiser, comme je l'ai écrit, c'est alors permettre aux femmes d'entrer dans l'institution jusque-là occupée et détenue par les hommes, sans que cela ne change fondamentalement l'organisation et le fonctionnement de cette institution. La science elle-même serait neutre par rapport au genre ou indifférente au genre. Donc, la science, Bourdieu avait une expression pour ça, la République universelle des sciences, eh bien, peut accueillir tout le monde, les femmes comme les hommes. Le ou la scientifique est au-delà du genre, c'est-à-dire au-delà des rapports de pouvoir qui structurent le reste de la société. Donc, dans cette première façon de féminiser les sciences, eh bien, ce qu'on change, en fait, c'est seulement la composition sociologique des sciences ou du champ scientifique. Là, en face, on a une autre façon de féminiser ou de penser les sciences ou de penser les sciences au féminin. On soutient que, en effet, que la différence entre les femmes et les hommes, même si elle est en grande partie le produit de la société, eh bien, elle n'est pas à éradiquer, mais à cultiver et à promouvoir. Alors, à une condition évidente, qu'elle ne soit plus synonyme de hiérarchie au détriment des femmes. Donc, l'idée est de supprimer la hiérarchie, mais de maintenir la différence. On peut, à partir de là, envisager une façon féminine de pratiquer les sciences, par contraste avec la pratique masculine jusqu'alors dominante. Les femmes, parce qu'elles sont femmes, ou en tant que femmes, enquêteraient sur des objets différents, avec des méthodes différentes, voire en poursuivant des objectifs différents, en bref, en élaborant des paradigmes alternatifs. Alors, l'idée ici, contrairement à tout à l'heure, à la précédente, c'est que contrairement à ce qu'elle prétend, la science n'est pas neutre par rapport au genre, mais comme le reste de la société, la science est biaisée au masculin. Si bien que les femmes scientifiques, en corrigeant ces biais, pourraient idéalement rendre la science meilleure, plus objective que ce qu'elle prétend être, mais aussi plus réflexive sur un plan éthique et politique. Mettre les sciences au féminin conduit ainsi à intervenir sur l'épistémologie des sciences elles-mêmes, sur les conditions de production, de validation des connaissances. Alors, comme vous vous en doutez sans doute, comme vous le percevez sans doute, on peut trouver du pour et du contre dans chacune de ces deux approches. Deux approches qui ont grossièrement polarisé les réflexions féministes sur les sciences dans le dernier tiers du XXe siècle. Est-ce qu'il y aurait une troisième façon de penser ou de mettre les sciences au féminin, car aucune de ces deux façons-là n'est très satisfaisante. Troisième façon que les rôles modèles dont parlait Jacqueline Hété pourraient incarner. Alors, une compréhension plus radicale du genre que celle que je vous ai présentée tout à l'heure en partant de Simone de Beauvoir, compréhension plus dérangeante aussi, peut peut-être nous y mener, bon, elle en a en tout cas l'ambition, et je terminerai en la présentant. Alors, que nous dit cette conception plus radicale? Elle nous dit que la distinction entre le sexe et le genre, entre le sexe qui serait naturel et le genre qui serait social, eh bien, c'est un pas dans la bonne direction pour plus d'égalité entre les femmes et les hommes, mais c'est un pas insuffisant auquel on ne devrait donc pas s'arrêter. Le problème est en effet que si l'on se tient là, si l'on s'arrête là, eh bien, on continue de penser qu'il y a des hommes et des femmes, qu'il existe des femmes et des hommes, et seulement des hommes et des femmes, donc que l'on est soit l'un, soit l'autre, soit une femme, soit un homme. Cette différence-là, cette bipartition, serait évidente, indéniable, donnée telle qu'elle comme un fait de la nature qu'il n'y aurait pas à contester. C'est la différence des sexes, qui, par définition, est en fait présupposée plutôt que contestée quand on parle d'égalité homme-femme. C'est le schéma très classique le montre. Alors, pourquoi est-ce que c'est insatisfaisant ou pourquoi est-ce qu'on peut ne pas s'en contenter? Je partirai d'une réflexion sur les sciences elles-mêmes, pour le suggérer, que je reprends un médecin et un philosophe polonais qui s'appelle Ludwig Fleck, qui permet de voir un petit peu voilà, ce qui pose problème dans cette conception. Dans un ouvrage qui est déjà assez ancien, mais qui est toujours lu aujourd'hui, « Genèse et développement d'un fait scientifique », on trouve en effet la formule suivante, donc, que vous avez affichée. Dans les sciences, tout comme dans l'art ou dans la vie, il n'y a pas d'autre fidélité à la nature que de fidélité à la culture. Alors, cela signifie que contrairement à ce que suggère une approche naïve de la découverte ou de la connaissance scientifique, on ne peut rien dire de la nature qui ne soit pas déjà informée par la culture,
rien dire de la nature que la culture ne nous fasse pas déjà percevoir, décrire et expliquer d'une certaine façon plutôt qu'une autre, signifie encore qu'on n'a jamais accès à une nature qui serait totalement en dehors de la culture ou que l'on pourrait séparer du travail de la culture. Alors, qu'est-ce que cela donne si on transpose la formule au rapport entre sexe et genre? Ça donne quelque chose d'assez différent de tout à l'heure, d'un peu provoquant. Ça signifie que, je vais le dire un peu brutalement, que le sexe n'existe pas, au sens où il n'existe jamais tout seul, vierge, pur, à l'instar d'une table rase, en quelque sorte. Alors évidemment, il existe car nos corps sont bien réels, et les différences biologiques entre les femmes et les hommes sont bien réelles. Il y a de la matière là-dedans, tangible, concrète, mais il n'existe pas, car tout ce qu'on peut en dire, tout ce qu'on en raconte, tout ce qu'on en étudie, passe par le filtre de la culture. Ça signifie que il est illusoire de penser que sous le genre et indépendamment du genre, il y a du sexe ou de la différence des sexes à laquelle on pourrait accéder hors du système de genre, justement. Et donc, on aboutit à cette thèse qui va plus loin que la simple distinction du sexe et du genre, la thèse qui revient à dire que le sexe, en fait, c'est déjà du genre. Mais c'est du genre posé comme naturel, auquel on donne l'apparence de la nature. Alors, c'est cette thèse qu'a défendue la philosophe américaine Judith Butler dans son célèbre ouvrage « Troubles dans le genre », qui fait toujours scandale, je crois, qui n'est pas toujours bien comprise et qui interpelle. Mais elle n'est pas défendue seulement par Judith Butler. Je vais vous projeter une citation, ce sera la dernière, que l'on doit à la sociologue française Christine Delphi et qui illustre en fait parfaitement le propos. Elle nous dit « On continue de penser le genre en termes de sexe, quand on s'arrête en fait à la distinction entre le sexe et le genre. C'est-à-dire on continue de l'envisager comme une dichotomie sociale déterminée par une dichotomie naturelle. En somme, le genre serait un contenu et le sexe un contenant. Le contenu peut varier, et certains estiment qu'il doit varier, mais le contenant est conçu comme invariable. Il est la nature, ce qui ne bouge pas, et de cette nature semble faire partie une vocation à recevoir un contenu social. Le sexe est réputé venir avant, chronologiquement, et donc logiquement, qu'on explique pourquoi ou non. Le seul fait de poser ou d'admettre, même implicitement, son antériorité, aboutit à ce qu'on se situe, objectivement, dans une théorie où le sexe cause ou explique le genre. Alors, ce que nous dit ici Delphi, c'est que la distinction entre le sexe et le genre est en fait parfaitement compatible avec l'idée que le genre est bien, quelque part, d'une façon ou d'une autre, dépendant du sexe, causalement relié à lui. Et donc, il n'y a en dernière instance que deux façons de faire son genre, et deux façons qui seraient naturellement complémentaires. Alors, peut-être que certaines savent parmi vous, ou sûrement d'ailleurs, que le concept féministe de genre, qui est né dans les années 80, je l'ai rappelé, il est né en fait d'une extrapolation à partir de la notion grammaticale de genre, sachant que dans certaines langues, ce genre grammatical fait justement place au neutre, donc à des possibilités tierces, ni masculines ni féminines, ou potentiellement les deux à la fois. Mais je poursuis avec le texte de Delphi, que je vais essayer je vais en tirer une implication en ayant recours à une métaphore informatique. Quand on s'arrête simplement à la distinction sexe-genre, qu'on pense qu'il y a le sexe est comme un domaine invariant posé en dehors de la culture, eh bien, on conçoit le sexe comme le disque dur des rapports femmes-hommes dans la société, tandis que le genre serait le logiciel, variable selon les sociétés. Ce qui a des implications sur la façon dont on conçoit les sciences et la répartition des sciences, puisque corrélativement à cela, eh bien, la biologie, c'est-à-dire la science qui dit la nature, en tout cas la nature vivante, est conçue comme la vraie science de ce que nous sommes, tandis que les sciences humaines et sociales, où les femmes sont les plus présentes, seraient des sciences superficielles. Alors, superficielles en deux sens, au sens propre, c'est-à-dire les sciences des couches de surface que l'histoire, la culture, la société apportent au noyau dur de la nature, pour la former ou la déformer, pour certains et certaines, mais aussi au sens figuré. C'est-à-dire, les sciences humaines et sociales ne seraient pas vraiment des sciences, plutôt des pseudo-sciences et en somme, des idéologies. Alors, on en a pas mal parlé dans les médias ces derniers mois. Notre gouvernement, l'actuel comme le précédent, ne manque d'ailleurs pas de l'insinuer assez régulièrement, cette idée que les sciences humaines et sociales ne seraient pas tout à fait des vraies sciences.
Et au-delà du gouvernement, c'est une attaque fréquente contre les études de genre ou contre les études qui, dans le sillage des études de genre, mobilise le concept d'intersectionnalité, par exemple, pour penser l'articulation de la domination de genre à d'autres formes de domination, de classe, mais aussi de race. Alors, j'avais dit que je terminerais par là, je fais un dernier point rapide sur la façon dont cette version radicale du genre, qui ne conteste pas seulement la hiérarchie des catégories hommes-femmes, mais la division elle-même entre hommes et femmes, peut-être nous inciter à penser les sciences au féminin. Je crois qu'au-delà d'un plaidoyer pour les sciences humaines et sociales, elle appelle en fait à ne pas oublier que le savoir, plus précisément le savoir légitime, c'est toujours aussi du pouvoir. Alors, une vieille idée hein, que l'on doit à Karl Marx autant qu'à Michel Foucault. Or, on entend souvent dire que les femmes n'ont pas le goût du pouvoir, moins que les hommes en tout cas, et que cette absence de goût expliquerait partiellement la persistance des divisions genrées du savoir ou des divisions genrées dans le champ scientifique. Alors d'ailleurs, il y a une étude que j'ai découverte assez récemment, qui a été publiée dans la revue Sex Roles en janvier de 2001, une étude qui montre que ce soit en France, au Liban ou en Norvège, en fait, les enfants, et spécialement les garçons, identifie le masculin au pouvoir ou le pouvoir au masculin dès l'âge de 4 ans. Alors, c'est un petit résumé hein, du dialogue qui était présenté aux enfants dans l'expérience. Donc, regarde, il y a deux enfants. Un enfant dit bon, qu'ils ne sont pas identifiés sexuellement, hein, ce sont exactement les mêmes en apparence. Tu dois faire tout ce que je dis, fais ce que tu veux. Et l'autre enfant répond d'accord, je fais tout ce que tu veux. Qui dit « fais ce que je veux », qui dit « d'accord, je fais tout ce que tu veux », et donc les enfants identifient spontanément ce personnage-là comme étant de sexe féminin et celui-ci comme étant de sexe masculin. Alors, que faire de cela ? Que faire de cette idée, et qui est démontrée empiriquement qu'en effet, les femmes n'ont pas le goût du pouvoir. Alors, ce n'est pas parce que c'est à l'âge de 4 ans qu'il faut dire que c'est naturel. La socialisation, ça commence très tôt, avant l'âge de 4 ans. Mais peut-être qu'on pourrait en tirer quelque chose de positif aussi. C'est-à-dire peut-être que les femmes qui voient encore de façon très concrète au quotidien les effets de ce pouvoir, alors par exemple à travers l'inégale répartition des tâches domestiques, hein, qui rend difficile de concilier la vie de l'esprit avec la vie matérielle, mais on peut aussi penser au sein même de l'institution académique à l'inégale répartition du travail de care qui amène généralement les femmes à donner davantage de leur temps pour les tâches qui relèvent du soin plutôt que de la science, soin auprès des étudiants notamment, ou responsabilité du travail du bien commun de l'université. Donc peut-être que les femmes sont en position, précisément parce qu'elles sont très conscientes de ces effets du pouvoir, de transformer les valeurs qui sont aujourd'hui associées à la prise de pouvoir. Alors, j'entends la compétitivité, l'excellence, l'attractivité, la productivité, qui sont mesurées par des critères discutables et qui tendent à uniformiser la pratique des sciences et à négliger le fait qu'il s'agit d'une entreprise collective plutôt que l'éclat de génie individuel. On peut d'ailleurs aussi douter évidemment de la pertinence de ces critères pour l'épanouissement et l'émancipation des individus, qu'ils soient hommes ou femmes. Alors, je vais m'arrêter là. Je voudrais juste proposer à celles et ceux qui ont envie de poursuivre la réflexion sur cette voie, la lecture d'un ouvrage que j'aime beaucoup, qui est paru déjà en 2011, qui a été écrit par deux philosophes des sciences, bon, sachant qu'Isabelle Stengers, elle est aussi scientifique, physicienne, qui a été écrit à partir d'un ouvrage de Virginia Woolf, Trois Guinées, mais aussi de plusieurs récits de femmes de sciences contemporaines. Et elle se demande, qu'avons-nous appris, nous les filles infidèles de Virginia, qui avons de fait rejoint les rangs des hommes cultivés, donc qui sommes rentrées dans les sciences, qu'avons-nous changé et que pouvons-nous encore changer tout en étant dans les rangs? Voilà, merci pour votre écoute. Je reviens. Merci beaucoup, Madame Jouan, pour cet exposé vraiment riche. Et puis, je dirais en tout cas pour ma part, riche en nouveautés. Merci beaucoup. Parce que, par exemple, je ne connaissais pas du tout l'autorité épistémique. C'était pas un terme que je connaissais. Donc, merci.
Après, c'est juste un mot savant pour dire une chose pas très compliquée. Oui. Hein. Enfin, voilà, et finalement, on fait plus confiance aux hommes qu'aux femmes, très bien. mais il y a aussi, bon, après, mettre des mots comme ça, c'est souvent intéressant parce que parfois, quand on utilise un vocabulaire justement un peu savant, on peut être un peu déstabilisé c'est des armes aussi. On ne connaît pas. Voilà, c'est oui, ça. C'est des armes aussi face aux hommes, donc je sais bien. Non, c'était. Merci beaucoup. Après, je crois que moi, j'ai besoin de dormir dessus, peut-être un peu de digérer entre la nature, le sexe et le genre, parce que ça chamboule un petit peu. Ça, vous savez, c'est un peu comme les boules, on les secoue et puis après, on a une réponse. C'est un peu ça. Ça chamboule un peu ma vision aussi voilà, de ça. Mais je trouve que c'est des questions qui sont extrêmement passionnantes et intéressantes. Et j'imaginais pas finalement que ça pouvait aller aussi loin à l'intérieur de notre identité. Ça, c'est quand même assez incroyable. Alors, je vais m'arrêter là et je vais prendre les questions. Alors, je crois qu'on avait Madame Marie-Hélène Sibylle. Vous avez gardé votre main levée. Alors, je vais ouvrir votre micro. Voilà, merci. Oui, en fait, j'avais levé la main quand on parlait des quotas. J'ai laissé ma main levée, mais faire plusieurs réflexions sur tout ce qui s'est dit. Je suis un peu comme Jacqueline. C'est vrai que les quotas, moi, quand j'étais jeune ingénieure, ça me hérissait. Et j'ai d'ailleurs refusé vertement une proposition d'un chasseur de tête, simplement parce qu'il m'a dit qu'il m'avait chassée parce que j'étais une femme. Donc, ça m'a franchement énervée en me disant, mais bon sang, puis moi, je sais pas. C'est pour moi que je veux qu'on me recrute, pas pour, parce que je suis une femme. Bon, c'est vrai aussi qu'avec le temps, peut-être que je me suis amortie avec l'âge, je suis retraitée maintenant, mais c'est vrai que je suis un peu comme Jacqueline, je considérerais maintenant que c'est un mal nécessaire. Ça reste quand même quelque chose d'assez gênant, mais ça aide bien. Parce que ça oblige les gens à voir ce qui se passe. Et malgré tout, moi, j'avais un peu contourné le problème dans ma vie professionnelle. J'ai dirigé souvent des équipes de techniciens ingénieurs et des équipes mixtes. Moi, je sais, alors je ne saurais pas vous le démontrer scientifiquement, mais les équipes mixtes marchent bien mieux que les équipes de femmes ou les équipes d'hommes. Et ça, c'est reconnu par beaucoup de gens. Je crois qu'il y a eu des études d'ailleurs sur des industries, sur des... du CAC 40, etc. Je n'ai pas le détail là, mais j'en suis convaincue. Ils ont montré que quand il y avait des femmes administratrices, donc au conseil d'administration, ouais, quand il y avait moins de femmes, les entreprises. Mais pas seulement sur les... Oui. Je t'enverrai des références. D'accord, merci. Oui, alors simplement pour ce point sur les équipes, un jour, un collègue m'a dit « On voit bien que ton service est dirigé par une femme parce qu'il a beaucoup plus de femmes que les autres. » Et ça m'a sidérée parce que je n'avais jamais compté. Et j'ai réalisé en écoutant ce collègue que c'était vrai en fait. J'ai regardé après, c'était vrai que mon service avait plus de femmes que les autres. Mais moi, je ne le savais pas. Et je lui ai répondu, bah écoute, je pense parce que moi quand je recrute, je m'en fiche, c'est pas un critère. Donc c'est pour ça qu'il y en a, parce que je n'ai pas cherché à recruter des femmes, j'ai pas fait du forcing pour les femmes. Je cherchais des gens compétents, c'est tout. Et bon, je pense que et également dans mon service, donc les hommes qui certains étaient réticents au départ à avoir des femmes ingénieurs dans leur équipe, eh bien ensuite il y en a plusieurs qui sont venus me dire, t'avais raison. C'est bien, l'équipe, elle est plus dynamique, elle bouge plus. Pourquoi? Sans doute parce qu'il y a une petite émulation, une petite concurrence, une compète entre hommes et femmes, peut-être le jeu du charme ou de la concurrence, peu importe, les équipes marchent mieux. Et ça, c'est dès l'instant où les gens en prendront conscience, peut-être aussi que nos collègues masculins seront moins vexés par les quotas, on va dire. Alors, et puis, dernier petit point, je pense qu'il faut en effet aider aussi les hommes, impliquer les hommes dans cette discussion. Vous aviez dit tout à l'heure qu'on était une soixantaine. Il y a combien d'hommes dans les 60? Pas beaucoup. Voilà. Donc, voilà, c'est tout le temps le cas comme ça. Mais aussi les aider quand ils exercent
un métier dit féminin, parce qu'ils ont encore plus ce problème que nous, je crois, parce qu'ils sont, c'est encore, ils sont moins nombreux et ils sont encore plus des gens d'exception, comme vous disiez tout à l'heure. Donc ça aussi, ça demande à faire la promotion des métiers, quels qu'ils soient. Voilà. Et mon dernier petit commentaire, c'était sur l'écriture inclusive. J'avoue que je ne suis pas franchement une grande fan de l'écriture inclusive, mais parce que on ne la prononce pas, donc c'est un petit peu ça aussi la difficulté. On peut parler, mettre les noms de métiers au féminin, très bien, pas de problème, mais quand on va parler, on ne va pas dire « et os » en parlant, donc quelque part, ça va plus loin que les métiers au féminin, et je crois que le fond du problème, on ne va pas refaire la langue française, c'est que la langue française n'a pas de neutre. Et le masculin est le neutre. Donc, c'est ça que je dis à mes collègues de temps en temps. Quand on dit le masculin prévoit sur le féminin, je dis non, c'est qu'il est neutre, en fait. Et il fait office de neutre. Et en anglais, on n'a pas ces problèmes-là pour cette raison. Voilà, je m'arrête. Merci. Juste encore, peut-être sur l'écriture inclusive, une réaction. En fait, à l'oral, on peut parfois faire sentir la féminisation. Ouais. C'est toujours à toutes et à tous. Moi, j'ai pris cette habitude-là. Ça, c'est facile. Oui, c'est courant. Mais je pensais plus sur les accords. Quand il y a point E, point S, c'est plus compliqué. Voilà. On peut le faire de temps en temps. Et c'est vrai qu'en français, bon, le masculin, c'est le neutre. Alors, en fait, c'est un masculin générique. Voilà, et non pas un masculin spécifique. Ouais. Mais il y a eu des études qui ont montré que En fait, les gens, si vous mettez les musiciens, parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes dans le groupe, vous dites les musiciens, ben, en fait, les gens réfléchissent en termes de masculin spécifique. Parce que le masculin générique, qui serait les hommes et les femmes, en réalité, ça demande en fait un mouvement, un processus cognitif plus complexe. Et que les gens ne perçoivent pas du tout spontanément le fait que le masculin puisse être du neutre. Et en fait, on tendance à identifier le masculin au masculin spécifique, c'est-à-dire à la classe des hommes seulement. Y compris pour des annonces de recrutement, si vous mettez recherche informaticien et que vous ne mettez pas NE à la fin, eh bien en fait, les femmes s'excluent. Il y a moins de candidates uniquement dues à ce facteur-là. Sur les annonces, je partage tout à fait votre point de vue. Je pensais plus, quand je vous disais que je n'étais pas une grande fan, voilà, l'écriture dans les textes, dans les phrases où il y a des points partout, des E partout, c'est un peu perturbant. Par contre, oui, sur les offres d'emploi, mettre les noms féminins, mettre oui, ça, bien sûr, bien sûr. Mais bon, on ne va pas en débattre ici non plus trop longtemps. Non, puis c'est pas. Moi, je voudrais quand même intervenir là-dessus, si c'est possible. Je pense que le fait de ne pas penser à inclure les femmes arrive beaucoup plus souvent qu'on se l'imagine. Je me rappelle une fois avoir écrit au directeur de La Monnaie, qui est Condé par là-bas vers l'Institut, parce que j'étais passée vers l'hôtel de La Monnaie. Il y avait d'immenses calicots avec des adjectifs qualificatifs dessus, excessivement positifs. Beau, magnifique, donc il y avait des adjectifs épicènes, mais tous les adjectifs non épicènes étaient masculins. Et j'ai écrit à ce monsieur que moi aussi je payais mes impôts et que j'exigeais que sur les adjectifs non épicènes, eh ben, l'hôtel de la monnaie pense aux femmes. Parce que ça, c'est vraiment le genre de choses, je trouve ça injuste, ça ne coûterait pas plus cher. Et pourquoi les gens qui font des expositions oublient-ils qu'il puisse y avoir des femmes? Pourquoi, par exemple, sur les petits macarons actuels, où il y a des petits masques sur les trams ou dans les bus, où tout le monde doit mettre son masque, il n'y a qu'un macaron, c'est un macaron d'homme. Ça veut dire quoi? Que les femmes, elles n'ont pas le droit, sont dispensées de masque? Ou ça veut dire, de toute façon, les femmes, elles sont tellement gentilles qu'elles n'ont pas besoin qu'on leur rappelle qu'elles ont des masques. Et il y a des quantités de petites choses comme ça dans la vie. Et on s'est dit, est-ce que c'est lié au fait que le genre neutre, c'est le genre masculin? Et qu'en pensent les femmes? Moi, je sais que l'histoire de l'hôtel de la Monnaie, ça m'a vraiment mis en colère. Et là, l'histoire des macarons, je me dis, ça ne coûte pas plus cher de tirer moitié ta fichette homme, moitié ta fichette femme. Et n'empêche qu'on a un petit bonhomme. Ma fille fait des concours de foot. On lui met une petite médaille. C'est un petit gars qui est dessus. Donc, pourquoi? Ça ne vient pas plus cher, penser aux femmes.
Il n'y a pas que dans le langage, c'est dans notre vie de tous les jours. Et moi, je me demande dans quelle mesure, je ne suis pas une experte, et Marlène doit mieux savoir si le fait d'avoir ce masculin qui est soi-disant neutre induit pas le fait qu'on oublie les femmes dans l'espace public. Mais vraiment, c'est une question qui vraiment m'interroge. Les études qu'il y a eu en psychologie montrent que ça a un effet psychologique, donc ça a un effet social. Voilà, et imaginez-vous à l'école, enfin, c'est une règle qu'on a appris, moi, je, évidemment, sur le moment, mais le masculin l'emporte sur le féminin, c'est comme ça que cette règle se dit, y compris s'il y a un homme sur, je sais pas, 100 femmes, on est censé dire ILS, pas parce qu'il y a un seul homme sur les 100 femmes, et c'est quand même une règle qui énonce, enfin, voilà, un pouvoir, même si cette règle est censée signifier le neutre, c'est, voilà. C'est quand même pas. Ça peut être troublant. En fait, il y a une personne, je crois que c'est Madame Fernandez de Clercq qui avait le même questionnement que vous, Madame Etta, sur le fait que le masculin soit neutre découle, en tout cas, permet plus l'invisibilisation. Waouh, on est en fin de soirée des femmes, on les rend plus, moins visibles. Voilà. Ça va être plus facile dans ce sens-là. Alors, je vais prendre une autre question. Madame Agas. Bonjour. Madame Agas, on ne vous entend pas. Oui. J'ai un micro très mauvais, mais je vais aller très très vite. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Moi, je me définis comme chercheure et pas chercheuse. J'estime qu'on a droit à un nom et pas un adjectif. Et quand je dis que je suis maîtresse de conférence, tout le monde rit. Et j'en ai marre. Voilà, c'est tout. Ouais. Moi, les maîtresses, j'ai l'impression que maintenant, enfin, maîtresse de conférence, moi, je ne l'ai pas mis même, comme je suis arrivée à la fac il y a 10 ans, maintenant, au début, je ne le mettais pas. J'étais gênée de le mettre. Et voilà, je m'y suis mise à le mettre. Et ça demande au début, oui, soi-même, on peut trouver ça ridicule, on sait ce que c'est qu'une maîtresse dans le langage ordinaire, oui, c'est une institutrice, mais pas que. Fait partie de ces mots qui, au masculin, sont très nobles, être maître, et quand on les passe au féminin, ils sont tout de suite sexualisés et donc dévalorisés. Il y a beaucoup de termes qui fonctionnent comme ça dans la langue française. Et en fait, maintenant, je le revendique. Et si je vois qu'on m'a mis maître sur une conférence, je ne suis pas du tout contente. Et voilà, je pense que tant qu'on n'est pas dans une situation d'égalité réelle advenue, je pense que c'est une marquer le féminin est important. Et enfin, alors après, moi, je suis en philo, dans les sciences humaines. Peut-être que ça suscite moins de rire que dans d'autres disciplines. Mais jamais mes collègues n'ont osé voilà, s'en moquer, en tout cas devant moi. Voilà. Merci beaucoup pour la réponse. Est-ce que ça éventuellement, sans vraiment savoir, je pose cette question peut-être à chacune d'entre vous. Est-ce que le fait qu'il y ait quelque chose de précis, par exemple là, on parlait de chercheur au lieu de chercheuse, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas forcément quelque chose d'usage ou qu'en tout cas, voilà, on se cherche encore peut-être de ce point de vue-là, est-ce que ça joue un rôle aussi dans le fait que ce soit moins accepté Quand j'ai commencé dans mon domaine, on me disait de ne pas mettre mon prénom si je voulais que mes papiers soient passent plus facilement. C'est vrai. Je mettais que voilà. L'initiale, oui. Ouais, mon initiale. Voilà, donc c'est dire jusqu'où ça allait il y a 40 ans. C'est-à-dire que le fait même que je m'appelle Jacqueline discréditait mon papier. Le travail. Alors, je pense que maintenant, j'ose espérer que ça n'existe plus. Mais j'en suis pas sûre parce que, comme je l'ai écrit dans un mail transparent, tout perdure très, très, très longtemps. Donc, j'espère que ce n'est pas le cas, mais à un moment donné, on avait vu que les femmes, proportionnellement au dossier qu'elles proposaient à l'Agence nationale de la recherche, avaient beaucoup un taux de succès bien moindre que les hommes.
Alors, est-ce que c'est parce que leur dossier était structuré de façon différente, que les jurys n'étaient pas ouverts au biais de genre? Est-ce que, voilà, est-ce que c'était leur prénom qui faisait, de toute façon, elle n'a qu'à travailler avec un homme? Je ne peux pas savoir. En tout cas, c'était clair. Les femmes avaient moins de financement que les hommes. Il y a un programme de l'Agence nationale de la recherche maintenant, dont le premier objectif est de faire les statistiques sur ce rejet. Parce que les gens eux-mêmes de l'Agence nationale de la recherche ne sont pas sûrs qu'ils aient fait le biais. Or, les chiffres sont pourtant là, mais ils ont encore besoin de se le démontrer à eux-mêmes. Après, est-ce que ça veut dire aussi que parfois, c'est un peu ce qu'on disait, on est quand même très conditionné, on fait les choses sans même s'en rendre compte, en fait, de façon assez naïve, en pensant bien faire, sans se rendre Je compte. pense que la plupart des femmes qui sont en recherche ne sont pas au courant des thèmes que j'ai abordés là, parce qu'elles sont nées dans le guidon, elles ont beaucoup, beaucoup apporté. Et si elles ne sont pas formées, elles ne peuvent pas savoir. On ne le voit pas. On ne le voit pas, on a foi dans le système, on postule, on est là, et si on ne prend pas de recul, on ne peut pas le voir. Et même dans nos sociétés, moi, c'est petit à petit que j'ai été agacée par mon environnement en me disant, c'est pas possible. Mais jeune, je crois que ça me paraissait tellement naturel que je ne le voyais pas. Merci beaucoup. Ça ne me blessait pas du coup, ce qui est pas mal aussi. Bah oui, c'est ça, c'est la différence entre être conscient ou pas. Parfois, être conscient, c'est pas forcément plus confortable, bien au contraire. Alors, la question de Madame Daléas. Muriel Daléas, je vais ouvrir votre micro. Si vous voulez. Si. Vous avez disparu. Voilà, vous m'entendez? Ah oui, super. Allô? Bonjour. Oui, Oui, on vous excusez-moi, je entend voulais répondre à Madame Été sur. Je voulais bien. donner une précision sur les questions que l'on pose aux femmes. C'était pas malheureusement, mais donc j'ai appris qu'on posait les questions aux hommes, donc à qui on faisait plus confiance. C'était pas les questions de savoir et d'expertise auxquelles je pensais. C'était celles liées à ce qu'on pas aux qualités, mais à la nature, entre guillemets, de la femme, et notamment de la femme mère, et des questions que l'on pose sur le fait d'avoir des enfants ou pas, dans par exemple l'écriture. Voilà, c'était en fait Marie Dariussec qui était interviewée sur Virginia Woolf, et on lui demandait si le fait que Virginia Woolf n'avait pas eu d'enfant avait influencé, etc., etc., son écriture. Et là, elle avait répondu, mais ça m'ennuie, excusez-moi, je reste polie, mais ça m'agace. Est-ce qu'on pose ces questions sur un écrivain célibataire sans enfant? Voilà, c'était juste pour dire qu'il y a des questions qu'on pose à des femmes sur leur nature, sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles créent, ou peut-être sur leur recherche, là, vous voyez, qu'on ne poserait pas à un homme. Je ne sais pas, moi, est-ce que vous avez pensé à chercher votre sujet d'intérêt scientifique, puisque vous êtes une femme, blablabla. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des questions qu'on ne poserait pas à un homme. On ne demanderait pas, est-ce que c'est parce qu'il est un homme qu'il a pensé à étudier le système solaire, enfin voilà, on ne relie pas, alors qu'à des femmes, on les ramène toujours à ce qu'on veut être leur nature, mère, comme si elles voulaient toute cette mère, enfin, etc., etc. Quoi. Voilà, c'était ce genre de questions que je voulais vous préciser. Alors, dans les jurys, pour les jeunes, par exemple, les chargés de recherche, hein, c'est-à-dire au moment où on veut avoir un emploi au CNRS, il peut arriver qu'une dame arrive, c'est de son âge, arrive en étant visiblement enceinte. Et c'est un moins pour elle. C'est très clairement un moins. C'est-à-dire que j'ai des collègues qui m'ont dit que au moment du jury, on dit, ah, mais celle-là, elle est enceinte, elle pourra pas commencer tout de suite. Puis au moment où elle va commencer, de toute façon, elle pensera à son enfant, donc elle va pas être efficace. Et la collègue a dit, mais enfin, si on savait qu'un de ces messieurs va être un heureux papa, vous verriez ça un plus et non un moins. Vous diriez, le fait qu'il va être papa, ça va le super motiver. Et elle a eu des retours très, très, très peu sympathiques de la part de ses collègues.
Donc oui, le fait qu'on soit une femme quand on arrive dans un jury, surtout si on est une jeune femme enceinte, ça a du poids. C'est comme ça, hein? C'est comme ça. Non, 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 ça va changer. Ça va changer. Voilà, c'est quand on veut changer. On veut qu'il soit efficace. Et l'intérêt de la société, même l'intérêt de l'équilibre de la personne, ne rentre pas souvent en compte. On ne va pas dire, ah ben oui, c'est super, elle va avoir un enfant, elle va être équilibrée, ça va la motiver. Ça va être, si c'est un garçon, ça sera beaucoup plus facile pour le jury de se le dire que si c'est pour une femme. Bon, c'est la même chose. Enfin, pour moi, c'est la même chose, à mon avis. En tout cas, ça devrait l'être si ce n'est pas la même chose. Oui. Et après, elle va partir à l'étranger, dans un pays anglo-saxon qui compte sur la qualité des gens et pas leur... voilà. On se demande pourquoi les chercheuses, les chercheurs quittent la France. C'est un pays trop sexiste encore. Après, je ne sais pas si c'est une histoire qui liste de ce que j'ai vécu en Angleterre. Donc, en Allemagne, c'est mieux. Ni en Allemagne. Ah, l'Allemagne, n'en parlons pas. Non, non, je parle avec les Allemands, je n'ai pas eu cette impression non plus du tout. C'est-à-dire que j'ai une collègue, c'est... il a fallu qu'elle attende 50 ans pour avoir son premier poste de prof, avec son mari, qui était chercheur pareil qu'elle, l'avait eu 20 ans avant. Donc, non. Ça commence, les Allemands ne font plus. Ça donne l'impression, les Allemands ne font... à mon avis, non, c'est pareil. C'est la vieille opposition de la procréation et de la création. On ne pourrait pas faire les deux en même temps. Voilà. Oui, voilà encore toujours des arguments. Voilà. Merci beaucoup, Madame Dalleas. Alors, je vois une autre question. Je vais peut-être ouvrir à Monsieur Chalandard, parce que je crois que vous aviez posé une question plusieurs fois. C'est ça? Alors, vous êtes en ligne. Bonjour, Monsieur Chalandard. Oui, bonjour. Par rapport à la notion de sexe et de genre et les différentes visions qu'il peut y avoir sur les imbrications de l'un et l'autre, j'aimerais poser la question à Marlène. Avec le mouvement LGBT, le mariage pour tous et toutes ces réflexions, je pense notamment au transgenre, comment cette évolution de la société, la place de l'individu où on dépasse le genre, impacte les réflexions et la philosophie au niveau de notre société et les différents points de vue. Merci pour cette question. Cette contestation justement de la nécessité de deux catégories, être soit femme, soit l'homme, et avec cette idée d'une exclusivité, c'est-à-dire on est soit l'un, soit l'autre, c'est-à-dire dès qu'on exhibe des caractéristiques féminines, on n'est plus une vraie femme, voilà. Si on est petit, on est un garçon manqué. Et puis de l'autre côté, si dès qu'un garçon expose des qualités féminines, eh bien il est efféminé justement, donc c'est plus un vrai homme. La contestation de cette catégorisation-là, en fait, homme-femme, elle s'est faite, je vous ai dit, j'ai cité Judith Butler sans avoir voulu trop m'étendre, mais elle s'est en effet faite aussi, elle a aussi été accompagnée, elle s'est en effet faite aussi à partir du mouvement gay et lesbien. Mais qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que le mouvement gay et lesbien, c'est la question de l'orientation sexuelle, et qui est encore une autre question, parce que l'identité de genre, se sentir homme ou femme, ou les deux, ou ni l'un ni l'autre, et qui on désire, ce sont deux questions différentes. Mais elle s'est aussi faite, en effet, sous l'effet du mouvement LGBT, LGBTQIA. Butler, que j'ai rapidement cité, est pas seulement une théoricienne du féminisme, mais aussi une théoricienne du mouvement queer, qui justement revendique la désidentification, c'est-à-dire le droit de ne pas être dans des cases, en fait, tout simplement. Que ces cases, d'ailleurs, soient sexuelles ou autres. Le mouvement LGBT a joué en ce sens-là un rôle important, alors qui est parfois pas évident. Enfin, le mouvement LGBT et le mouvement féministe s'articulent parfois pas facilement, parce qu'on peut avoir l'impression que si on veut penser à la lutte féministe, on a besoin d'un sujet femme, et que ce sujet femme doit être distinct du sujet homme. Et donc, si on se retrouve au contraire à se dire, mais en fait, c'est quoi ce sujet femme? Est-ce qu'il existe?
Est-ce que vraiment on peut dire que toutes les femmes sont suffisamment les mêmes pour qu'on puisse parler d'un sujet femme? Quel est le statut de ce sujet? Est-ce qu'il y a une identité substantielle derrière ou pas? Alors, c'est des questions qui avaient déjà été posées par les féministes noires ou féministes blanches. Il y a qui dans votre sujet femme, dans votre sujet du féminisme, en fait? Et quelle classe sociale, quelle couleur, et qui ont été posées à nouveau voilà, par le mouvement LGBT, gays, lesbiens, LGBT. Est-ce qu'il n'y a que les hétérosexuels? Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, c'est pas la seule impulsion, cela dit, le mouvement LGBT, de cette reconfiguration des rapports sexe-genre. On peut penser aussi aux enfants intersexes, qui font de plus en plus parler d'eux au sens où ils contestent en fait les opérations chirurgicales qu'ils ont subies souvent très tôt dans l'enfance, avec la nécessité d'être inscrit fille ou garçon voilà, à la naissance. Et puis, il y a eu, au-delà de ces deux cas-là, de la transidentité et de l'intersexualité, beaucoup en fait de travaux historiques qui ont été menés sur la façon dont on s'est représenté les sexes dans l'histoire, et où cette idée qu'il y a deux sexes, en fait, c'est un modèle récent, enfin récent au sens le 18e siècle, c'est quand même pas si vieux. et c'est au 18e siècle seulement qu'en fait, on pense vraiment deux sexes incommensurables l'un avec l'autre, et qui, c'est non seulement le sexe, la configuration génitale, organique, mais toute l'anatomie voilà, qui est différenciée, qui est associée à ces deux sexes. Si on remonte aux Grecs, à la Renaissance et même jusqu'encore au XVIe siècle, on ne voit pas ça. C'est-à-dire le sexe féminin, c'est le sexe masculin, c'est une version du sexe masculin, mais ça ne fait pas deux catégories d'êtres qui seraient entièrement différents. Et cette dualité, elle est revendiquée, explicitée, justifiée avec des arguments faussement scientifiques au XVIIIe siècle. Et on peut se demander pourquoi à ce moment-là. Mais en fait, on approche de la Révolution française. Donc on a des aspirations à l'égalité, à la liberté ouais, qui sont très fortes dans la société, mais certains vont être plus égaux que d'autres. Et en fait, cette distinction entre les deux sexes absolus, qui est tout de suite une hiérarchie, permet d'exclure les femmes de l'égalité et de la réserver aux hommes. Voilà. En abolissant les classes ou les privilèges, mais en excluant les femmes. Hein, sachant que la Déclaration des droits du citoyen, 1789, c'est pas celle de la femme, mais de la citoyenne. Voilà, donc il y a beaucoup de... Voilà, il y a des mouvements militants contemporains, il y a aussi la réflexion sur l'histoire, il y a les découvertes en biologie qui amènent en effet à ne pas se tenir simplement à cette distinction sexe-genre qui finalement est assez consensuelle, mais qui ne va peut-être pas assez loin. Merci. De rien. Beaucoup, Madame Jean. On va prendre peut-être une dernière question. Peut-être deux dernières questions rapidement. Je vais les nommer Madame Fromentin et Madame Daléas. Donc, ce sera les deux dernières questions. Hop. Madame, vous m'entendez? Fromentin, bonjour. Oui, merci pour les exposés, c'était Madame. Intéressant. Je voulais juste revenir sur plutôt, donc, enfin, c'était intéressant de voir que peu importe, comment dire, le niveau au niveau des sciences, enfin, par rapport à l'exposé de Madame Etay, finalement, il y avait déjà une répartition homme-femme, parce que moi, j'avais plutôt pour idée que c'était à très haut niveau, on va dire. Par exemple, au niveau des modèles, on a un manque de représentativité des femmes, mais finalement, c'est un peu vrai à tout niveau. Mais du coup, pour revenir sur ces modèles, je veux parler de ce que je connais du coup de la science. Pour réussir, par exemple, à être chargée de recherche ou à être maître de conférence, c'est quand même très compétitif. Et moi, j'ai l'impression quand même qu'on sous-estime le rôle des questions de maternité, justement, parce que justement, au moment où on est recruté pour une femme, enfin, nous, on a quand même un peu, en tant que femme, les questions. Si je veux faire un enfant, il faut que je le fasse pendant que je suis encore fertile, alors que j'ai l'impression que les hommes se posent beaucoup moins la question, qu'ils se disent bon, au pire, je trouverai quelqu'un de plus jeune que moi. Et je trouve que du coup là justement
les mesures qui ont été prises là pour rallonger le congé paternité, je trouve ça intéressant. Et aussi, moi, en tant que femme, en tant que jeune femme, j'ai pas fait le choix, par exemple, de faire un enfant jeune pour pouvoir avancer dans ma carrière. Parce qu'aussi, notamment, mis à part le côté congé maternité, il y a aussi la grossesse, ça prend du temps, on peut être fatigué, et on se pose souvent des questions, comment je vais réussir à gérer ça. Et puis aussi, il y a toutes les questions, comme on disait, par exemple, quelqu'un qui arrive enceinte alors qu'elle postule, comment ça va être pris, comment ça va être pris si je postule juste après, si je tombe enceinte pendant ma période d'essai ou juste après, est-ce qu'on ne va pas dire que je profite Et du coup, je voulais savoir, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup, que c'est un peu occulté toutes ces questions et que c'est pas, qu'il n'y a pas beaucoup de militantisme pour essayer justement d'équilibrer un peu ces questions de maternité. Enfin, je sais pas du coup si vous avez des contre-exemples ou alors des idées en fait là-dessus. Moi, je veux bien dire juste un petit mot, mais Jacqueline, tu auras sûrement aussi des choses, c'est que. Oui, mais là, ça raccroche vraiment la question des femmes scientifiques aux questions des femmes dans la société en général, parce que, bon, je l'ai mentionné rapidement, mais statistiquement aujourd'hui, même s'il y a eu un petit peu de progrès, mais pas beaucoup en fait, ce sont toujours les femmes qui ont en charge les charges domestiques, et dans domestique, j'entends les charges de soins des enfants aussi, à la maison, mais à une très large partie, majorité. Donc, si on a un enfant et qu'on est chercheuse, y a des chances qu'on doit un peu. Si on n'a pas un mari, un conjoint, un compagnon qui fait ce travail-là, qui prend en charge le soin et la domesticité, évidemment, ça vous fait une pause dans votre carrière, vous publiez moins, vous avez moins de temps pour travailler, mais par ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, à l'UGA, on demande une crèche depuis longtemps pour que, par exemple, pendant les réunions ou même pendant les cours, on puisse laisser les enfants à la crèche. Il y a eu des initiatives de prise pour des colocs. Il y a des colocs, ils sont organisés sur une semaine, qui organisent une garderie, de façon à ce qu'on puisse venir avec ses enfants et pas justement les laisser à la maison avec l'épouse ou l'époux, d'ailleurs. Donc, c'est des initiatives, mais qui sont loin encore d'être généralisées et qui, dans l'ensemble, demeurent assez exceptionnelles. Il faut vraiment une grosse volonté des organisatrices, du coup, en général, quand c'est dans des colocs qui pensent à ce genre de choses. Mais vraiment, c'est vraiment pas du tout spécifique là pour le coup aux femmes de science. Dans tous les métiers, les femmes, en effet, ce qu'on appelle le gender gap, l'écart de genre dans les rémunérations, dans l'avancée de la carrière, c'est surtout un mother gap, c'est-à-dire que c'est le fait d'être mère qui crée un écart fort en fait entre les situations des hommes et des femmes. Et moi, je peux dire à madame là qu'il y a une association internationale qui s'appelle Mother in Science qui travaille là-dessus. Ils ont fait un questionnaire là très récemment qui est en cours d'analyse. Femmes et Sciences analyse la partie française pour pouvoir après la comparer au niveau national. Donc, ces questions de ce que ça veut dire d'être mère en sciences. Il va y avoir vraiment quelque chose. Je crois qu'il y a aussi une initiative du CNRS dans ce sens-là, avec également un questionnaire qui a été fait. Alors, c'est une question qui est d'autant plus importante qu'on rentre de plus en plus tard sur les postes permanents. Donc, on demande aux personnes qui vont postuler sur des postes permanents d'avoir déjà un énorme bagage scientifique. Et ce bagage est très difficile à acquérir. Et le fait de repousser l'âge à laquelle on a un poste permanent, je pense, induit des problèmes de maternité que moi, je ne me suis absolument pas posé. Moi, mon poste, je l'ai eu très, très, très jeune. Donc, c'est un problème que je ne me suis pas posé. Je voulais avoir des enfants. J'étais sûre que le fait d'être chercheuse au CNRS me permettrait d'avoir des enfants. Et je ne suis pas sûre que les jeunes femmes qui arrivent maintenant aient ce confort psychologique qui m'a été offert. Merci beaucoup, Madame Adé. Merci, Madame Jean.
Merci pour votre question. J'espère que ça va aller quand même, ça ne vous a pas trop… Il faut continuer, hein. Oui, il faut continuer. Ça vaut la peine. Ça nous arrête, hein. Ça vaut la peine. Même si c'est des efforts, ça vaut la peine. Et donc, je vais prendre la dernière question. Ce sera Madame Daléas. Ah. J'ouvre votre micro. Oui, excusez-moi, je peux monopoliser. Je voulais d'abord vous remercier. Je voulais savoir si Madame Jouan pouvait nous conseiller un livre, pas de vulgarisation, mais c'était très dense ce que vous aviez dit. J'avoue que j'ai pas peut-être tout compris. Si vous aviez un livre à nous conseiller où ces notions sont expliquées, moi j'utilise pour mes deux filles qui veulent être ingénieures dans l'environnement, donc je les pousse, j'espère que ça marchera. Et dont une fait du foot, je ne les appelle pas des garçons manqués, je leur dis ce sont des filles réussies. Je ne supporte pas cette double dénégation de garçons manqués, ce qui est vraiment le vraiment. Enfin, ce n'est même pas des filles réussies, ce sont elles et elles, voilà, elles sont ce qu'elles sont. Et j'avais aussi lu un livre écrit par Mona Chollet, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Sorcières, la puissance des invaincus des femmes. Mmh. Et pour moi, les sorcières sont les premières scientifiques qu'on a essayé de justement de ne pas faire exercer leur savoir, mais c'est justement parce que c'était des femmes qui avaient le savoir à l'époque. Enfin, à l'époque, que Mme Jongle, voilà. Et je trouve c'est un livre, comme beaucoup de livres féministes, hein, évidemment, ça va être très instructif aussi. Je ne sais pas si vous avez un livre à nous conseiller. Et puis, bon, Madame Été, ben, merci de montrer la voie. Hein. J'espère que tous les combats serviront aux filles d'aujourd'hui. Sinon, la science y perdrait, à mon avis. Hein. Beaucoup. Il y a beaucoup, bon, il y a beaucoup d'ouvrages hein, qui paraissent sur le genre. Après, en termes d'ouvrages de synthèse qui présenteraient, moi, je conseille souvent en fait à mes étudiants une sorte de manuel qui s'appelle Introduction aux études sur le genre, voilà, qui est paru chez De Broc en 2012. Il y a une autre édition depuis. C'est parce qu'en fait, à la fois conceptuellement, il explique ces distinctions-là que j'ai un peu faites, et oui, sans doute, c'était un peu dense, mais ensuite, il les déploie dans la question de politique, par exemple, dans le sport, enfin voilà, dans plusieurs domaines. Donc, en ce sens, je le trouve assez intéressant, même s'il prend la perspective d'un manuel très pédagogique, il y a des petites fiches, enfin voilà, des questions, réponses qui sont très bien faites. Après, pour un ouvrage plus court de synthèse, peut-être que je peux l'envoyer, réfléchir à ce qui serait vraiment le mieux et l'envoyer à Delphine Delaunay, puis vous pourriez le rajouter sur le site de la page de la conférence pour mettre la réflexion en plus. Peut-être que ce serait le mieux, du coup, je rajoute à ce moment-là une référence que je mettrai en ligne. Merci beaucoup. Oui, avec votre autorisation, on va faire une compilation. Vous pourrez re-regarder cette présentation. Oui, ben voilà, ben je rajouterai du coup. Voilà. Ouais. Comme ça. Parfait. Ah, et ben écoutez, merci beaucoup. C'est vraiment par contrainte de temps que nous allons être obligés de nous quitter. Moi, j'ai passé un super moment, je ne sais pas pour vous, mais moi, oui, en tout cas. Comme c'est principal, non, je plaisante. Bien évidemment, merci beaucoup à Madame Jean et à Madame Ete d'avoir été avec nous. Je crois qu'on avait plein d'autres questions. Enfin, moi, j'aurais bien abordé d'autres questions si c'était d'intérêt pour les autres aussi, notamment sur les codes, c'est-à-dire ce que vous avez soulevé, Madame Jouan, à la fin de votre intervention, sur est-ce qu'on a envie de travailler avec les mêmes codes que ceux qu'on a pour l'instant, par exemple le pouvoir, etc. Est-ce que, voilà, mais de façon peut-être tout mettre à plat et de se demander si c'est ça dont on a envie pour la suite ou pas, d'ailleurs. Je trouvais cette question-là intéressante. Après, on a eu aussi des questions que on n'a malheureusement pas eu le temps de poser sur le chat, mais qui étaient aussi beaucoup tournées autour de la confiance en soi, c'est-à-dire savoir, quand on est une femme, parler de soi et se vendre, entre guillemets, aussi,
Donc, ça rejoignait un peu ce qu'on avait dit probablement sur l'oral, où les femmes ont un peu plus de difficultés peut-être au départ, au moment de leurs études, ou sont perçues comme telles d'ailleurs, ce n'est pas des difficultés, c'est noté différemment. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette merveilleuse discussion. Donc, je rappelle quand même, parce qu'il va nous rester 3h30, pour 3h30, 4h30, pardon, je ne sais plus calculer, pour fêter les femmes, pour fêter ces femmes de sciences. Donc, embrassez vos filles qui feront des sciences de l'environnement, Madame Fromentin, embrassez tout le monde et célébrons les femmes et puis les femmes dans la science. Voilà. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau séminaire. Au revoir et merci beaucoup. Merci.